est exalté. À vous. Il est. Je veux le louer. L'aide à se relever et il continue sa course car il veut gagner. Il y a un point d'eau. Vite, il prend son eau et poursuit sa course. Il en est de même pour nous qui sommes ici aujourd'hui. Dans notre course chrétienne, nous avons aussi un trophée à remporter, la couronne de gloire. Il nous arrive de tomber, d'être écorché, d'être blessé. Ne restons pas à terre. Relevons-nous,
acceptons l'aide des autres. Au point d'eau, au rêve, buvons avec avidité l'eau du salut pour poursuivre notre course. Nous sommes presque au but. Notre trophée, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue au point d'eau, au rêve. La classe Tibériade vous salue fraternellement. Nous remercions Simone pour cette bienvenue. Et nous avons notre sœur, Gilberte, qui a son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Et qui désire offrir un chant à l'Éternel pour le remercier pour ses bontés. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse, donne ton nom, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Thank you.
notre Père qui est dans les cieux, c'est avec un cœur rempli d'amour, de reconnaissance et de joie que tes enfants sont prosternés sous ton marchepied à cet instant. Nous déposons nos fardeaux, nos péchés, nos erreurs, nos iniquités, nos imperfections à tes pieds, car tu nous as dit de nous décharger sur toi, car ton fardeau est doux et léger. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tant de bienfaits et de bénédictions que tu as déversé sur nous durant la semaine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié et que ton nom soit exalté dès maintenant et pour l'éternité. Tes enfants sont venus t'adorer en esprit, en vérité, avec l'assurance que tu es là, que tu nous entends, que tu nous écoutes, car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour cette assurance que tu nous donnes, à savoir que nous ne sommes jamais seuls. Aide-nous à apprendre à ne compter que sur toi, à te faire confiance en toutes choses, à te rester fidèle jusqu'au jour où tu reviendras. Seigneur mon Dieu, sois avec ton école du sabbat ce matin. Sois avec tous ceux qui n'ont pas pu se rendre à cette école du sabbat, ceux qui sont chez eux, couchés sur un lit de douleur, Seigneur, nous voulons les remettre entre tes mains afin qu'ils puissent bénéficier aussi des bénédictions que tu déverseras sur tous ceux qui sont ici en ce matin. Que tu sois avec le programme de l'école du sabbat, que tu sois avec tous ceux qui ont une part à cette école, que tu leur oignes de ton Esprit Saint, afin que leur programme soit alléchant et qu'en sortant ici, chacun de nous soit édifié et fortifié. Sois aussi avec la campagne d'évangélisation qui se tient ici avec le jeune. Nous te prions de le bénir, de le fortifier, de l'encourager, de le oindre de ton Esprit Saint, et que cette campagne puisse porter du fruit à ta gloire, afin que ton Église soit prospère. Bénis chacun de nous individuellement, reste avec nous, fais-nous passer un bon sabbat, et que ta paix, ta grâce et ta bénédiction reposent sur chacun de nous. Nous avons prié en Jésus pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur éternel. J'ai une histoire pour vous ce matin. Il y avait un petit garçon qui vivait avec son grand-père dans une ferme. Chaque matin, le grand-père se levait tôt pour lire les Écritures. Alors son petit-fils essayait de l'imiter. Mais un jour, il lui dit, « Grand-père, j'essaie de faire comme toi, de lire la Bible, mais je ne comprends pas toujours tout, et le peu que je comprends, je l'oublie. » Aussitôt, à quoi cela sert-il de lire la Bible ? Autant que je ne la lise plus. Le grand-père termina de mettre du charbon dans le poêle et lui tendit le panier et lui dit, « Va me chercher de l'eau à la rivière, s'il te plaît. » Quand il revient, bien sûr, le panier était vide. Le grand-père lui dit, « Mais fais plus vite quand tu reviendras. » Donc il y retourne, il fait plusieurs fois le voyage, mais finalement il dit au grand-père, « Mais c'est impossible, hein? Il me faut un seau. » Mais le grand-père lui dit, je ne t'ai pas demandé un seau d'eau, mais un panier d'eau. Donc retourne à la rivière. Donc l'enfant sait que c'est impossible, mais pour faire plaisir à son grand-père et pour surtout lui démontrer que c'est inutile, il y retourne et essaie de faire plus vite. Mais quand il revient, le panier est... Tu vois, ça ne sert à rien. Le grand-père lui dit, en es-tu sûr? Regarde le panier. Maintenant, il est tout propre. Voilà ce qui arrive quand tu lis la Bible. Tu ne comprends peut-être pas tout, tu ne retiens peut-être pas tout, mais Dieu travaille à l'intérieur. Chantons ensemble le numéro 135, livre sacré, lumière intentionnante. Qui de la nuit, vers l'obscurité.
Salut et bon sabbat. Ce matin, l'histoire se passe au Brésil. Vous allez quelques choses à savoir du Brésil. Alors, le Brésil, le séminaire adventiste de théologie latino-américain est situé à Brasilia, au Brésil. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud, le cinquième pays du monde. Il a la forme d'un énorme triangle situé du côté est du continent avec un littoral de 7400 km le long de l'océan Atlantique. Bon, ben c'est bon, je vous donne pas plus. C'est déjà bon. Donc, mon histoire, ça se passe au Brésil. C'est du marxisme à l'adventisme. Alors, le marxisme, bon, je vais aller vite avec, je ne vais pas donner trop de détails. Le marxisme, c'est simplement un Allemand, Marx, c'est un philosophe. Donc, vous savez bien, la philosophie, c'est quoi, hein, exactement. Donc, cet Allemand-là, il a fait la doctrine, tout ce qu'il a déclaré, c'est contraire à la loi de Dieu. Voilà le marxisme. Donc, mon histoire, c'est une dame qui s'appelle Maria. Elle a 12 ans, mais ses amis préfèrent l'appeler Marita. Alors, à l'âge de 12 ans, elle s'est baptisée. Elle est devenue monitrice de l'école du sabbat. Et ensuite, dans son adolescence, elle est devenue, adolescente, elle est devenue responsable directrice de la jeunesse. Et voici qu'à 22 ans, elle a eu une remarque désobligeante d'un des responsables d'église. Mes amis, une barre de fer. Elle a dit, ah bon, elle est partie, elle a laissé. Et elle est encore plus frustrée parce que personne n'est venu la voir, personne n'a prié pour elle. Enfin, elle n'existe pas. Elle dit, ah bon, eh bien, j'ai fini avec ça. Elle s'est mise à étudier la sociologie. Alors, avec la sociologie, avec ce fameux philosophe, Donc, elle a étudié la sociologie. Et 25 ans après, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a eu un petit garçon. L'ironie du sort veut que le malheureux, il meure. Bon, elle est veuve. Donc, elle se décide, elle déménage, elle laisse le Brésil, elle va au Canada. Arrivée au Canada, c'est pour poursuivre ses études. Elle poursuit ses études à l'université. Et voici un jour, quelqu'un frappe à sa porte. C'est un pasteur, le pasteur Louis et son épouse. Donc, ils sont venus puisqu'ils ont besoin qu'elle retourne à Christ. Mais elle écoute, parce que le pasteur était parti pour aller dans un mariage aux États-Unis. Et de passage, il a dit, bon, il s'arrête pour pouvoir voir Maria au Canada. Alors, le pasteur et son épouse essaient de, puisqu'ils avaient 8 jours, chaque jour, ils venaient pour pouvoir enseigner à Maria la parole. Tant qu'à faire, tu peux parler, ça m'intéresse. Rien du tout. 8 jours, alors, bon, ils sont partis. Et Maria, 2 ans après, elle a fini ses études, elle déménage. Et arrivée au Brésil, elle devient professeure à l'université. Elle fait son cours, et puis un jour, elle est en train de lire, puisqu'elle avait le livre de ce fameux Max Malla. Donc, elle voit, c'est justement, il a commencé son truc en 1844. Alors, elle se souvient, quand elle était adventiste, que sa maman lui avait enseigné que l'adventiste avait commencé en 1844. Alors, elle se dit, ah, ben c'est peut-être que le diable veut que l'adventiste se mélange avec le marxisme, et puis ce serait une bonne chose. Et puis, pendant qu'elle faisait son cours, elle dit que elle dit à ses élèves que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que il est un genre de révolutionnaire. Parce que ce fameux Max Malla, il dit que l'homme peut se changer tout seul. Mais les adventistes disent que c'est Christ
qui change les cœurs. Mais donc, elle dit à ses élèves, c'est un genre de révolutionnaire. Donc, c'est pas la peine qu'on s'attache à Jésus-Christ. Et puis, mais elle-même qui a dit ça, elle est mal à l'aise. Tous les soirs, elle dort bien comme un bébé. Mais ce soir-là, on a dit, devant, derrière, tourner en bas, devant, tout partout. Il va arriver dormir. Pas de sommeil. Elle-même qui a dit son truc-là. Mais le lendemain, une de ses élèves arrive pas mal, elle a pleuré tout en pleurant. Oh, mais professeur, vous avez dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Vous n'avez pas dit ça de votre cœur. Pendant toute la nuit, Dieu m'a dit qu'il faudrait que je vous le dise. Vous n'avez pas parlé de votre cœur. C'est de votre bouche que vous avez parlé. C'est parce que vous suivez le marxisme que vous dites ça. Mais c'est pas de votre cœur que vous avez parlé. Ah, Maria est restée la bouche fermée. Elle a pu répondre, « Eh bien, je te remercie de me l'avoir dit. » Et elle a été, peut-être 2-3 jours après, elle a été dans un café pour prendre son déjeuner. Et arrivée dans le café, mais elle n'était pas tout près du campus, hein. Elle était très éloignée du campus, elle a été dans un café. Et elle prend son petit déjeuner. Mais pendant qu'elle prend son déjeuner, elle entend, « Oh, merveilleuse grâce de Jésus, mon sauveur. » Elle se dit, « Ah !» Parce que quand elle était à la chorale chez les Adventistes, elle a appris ce chant. Alors, ce qu'elle a fait, elle a laissé le café, et comme c'était l'Église catholique qui était en train de répéter ce chant, je ne sais pas si l'Église catholique, mais c'est une Église du dimanche, pardon. À l'Église du dimanche, elle est rentrée, elle s'est assise sur le banc, elle s'est glissée, elle est restée là. Elle a écouté tout le chant. Ça faisait même pas longtemps qu'elle était assise. Elle voit la petite Dinalva qui pleurait, qui disait que c'était pas de son cœur qu'elle parlait, c'était de sa bouche, c'est parce qu'elle était assise là. Elle voit que la fille qui arrive à côté d'elle sous le banc. Elle lui dit, alors elle fait une bonne accolade. Elle lui dit, ah, je savais que j'allais vous trouver là. Parce que Dieu, j'étais en train de donner à mon enfant à manger. Je ne sais pas pourquoi j'ai été poussée à venir ici. Je savais que j'allais vous trouver. Mais Marie est en train de se dire, est-ce que c'est une coïncidence? Mais quand même, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, bref, le chant est fini. Marie est partie de son côté. Et la fille d'Imnalda est partie de l'autre côté. À ce moment-là, comme elle était déjà retournée dans son pays, donc la femme du pasteur a pris contact avec elle. Et là, ils se sont mis à étudier. Mais comme je vous ai dit que c'était une barre de fer, la femme du pasteur a étudié 10 ans. 10 ans, oui. Je vous dis que c'est une barre de fer. Hein. Alors, vous voyez, quand on fait des fois des remarques à quelqu'un, et ça n'a pas... Ça travaille, ça fait un genre de vieux germe au fond et que ça empêche que la vérité monte. 10 ans à étudier. Quand elle a fini, elle dit que... Oui, mais je ne crois pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la femme du pasteur lui dit, mais écoute, hein, c'est parce que tu as perdu ta foi. Il faut que tu pries pour chercher, pour demander à Dieu la foi. Eh bien, moi, je vais prier pour toi. Donc, la femme du pasteur a prié pour elle. Et effectivement, en priant, Dieu a permis qu'elle puisse avoir cette sensation de pouvoir lire la Bible. Elle avait le désir de pouvoir lire la Bible. Et elle s'est mise à lire la Bible. Effectivement, elle a compris, elle a vu la vérité. Et puis, ils se sont mis à étudier. Et puis, comme elle s'est dit, d'accord, je vois, mais j'ai un petit souci. Je n'ai pas envie de retourner à l'église. Il faudrait faire quelque chose. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un lieu qu'on puisse étudier, qu'on puisse parler de Dieu. Je n'ai pas envie de revenir à l'église. Donc, les responsables ont discuté et ils ont décidé, OK, eh bien, on te laisse le choix, tu vas choisir. Et elle a choisi un lieu, et elle,
on appelle le lieu Shaorin Jésus. Donc, ils ont commencé avec 13 personnes en 2004. Et maintenant, ils ont 200 personnes baptisées. Donc, ce qui se passe, c'est que elles enseignent aux gens la parole de Dieu. Et les gens apprennent à aimer les adventistes, puisque ce n'est pas tout le monde qui aime les adventistes. Donc, ils arrivent comme ça, quand ils ne sont pas dans le temple, ils sont dans une maison normale. Donc, ils étudient et Dieu aussi fait le travail, le Saint-Esprit travaille. Et les gens, eh bien, ils acceptent la vérité. À partir du moment qu'ils ont accepté, on les baptise et à ce moment-là, on les envoie dans les églises adventistes dans tout l'environnement. Donc, alors... Et maintenant, l'église de maison, maintenant, ce trimestre-là, ce sera pour eux. Alors, pensez à eux, ils auront une partie de cette offrande afin qu'ils puissent avoir un plus grand endroit afin de pouvoir enseigner. Il dit, nous avons beaucoup de musique, nous avons beaucoup de petits groupes et aussi ceux qui étudient la Bible et prient. Ils disent que maintenant... Nous sommes heureux et nous attendons juste le retour de Jésus. Alors que Dieu vous aide. Bon sabbat. Nous remercions Sœur Thalie et apprécions un chant spécial. Des jours moins t'es tout seul, moins fait bêtise et moins payé. Tout son mi moins t'es ni parti. Yo, déjà dis-moi ça. Mais ni en monde qui aime moi. Toujours qu'à veiller si moi, y chasser, effacer péché moi, les moins crier non, oui moins bien. Bon Dieu, où c'est mis en moi, on l'est la croix ou mort, ben moi. Difficulté, moins qu'à promettre, vive l'éternité, et puis vous s'élevez, touchez, tiens en moi. Mais tes choix en la vie, moi fin pas tout léon en moun, qui aime moi pour moi. Les moins pas ni fausse poulité, c'est où qui carille. Chez-moi en long main, et puis toute peine moi, et puis toute joie en moi. Bon Dieu, où sévit en moi, on l'est la croix ou moi.
te revir. Bon Dieu, la vie moi changé. Depuis où entrer en chez moi, toujours moi les marcher et vivre, moi qu'à promesse, vivre l'éternité et vivre. Oh. L'éternité est pure. Bon Dieu, vous avez en moi. On l'aide à croire au mort à moi. Même dans toutes difficultés, moi qu'à promesse, vive l'éternité. L'éternité est pure. Bon Dieu, la vie moi changé. Depuis où entrer en chez moi, toujours moi les marcher et pire. Moi qu'à promesse, vive l'éternité et pire. Raconter des histoires. Donc, il s'agit, l'auteur nous dit qu'il avait eu un rêve dans lequel les gens comparaissaient devant Dieu pour rendre compte. À l'appel de son nom, chacun prenait place à côté du roseau à mesurer. Et selon la stature morale et spirituelle qu'il avait atteinte sur la terre durant sa vie, sa taille grandissait ou diminuait. Donc, plusieurs personnes vont passer devant ce roseau et vont grandir ou diminuer. Et quand viendra son tour, donc il craignait un petit peu parce que quand il voyait par exemple quelqu'un qui apparemment semblait être un géant spirituel diminuer devant le roseau, quand ça a été son tour, il avait peur. Et l'histoire nous dit qu'effectivement il a commencé à diminuer, donc il a crié à l'ange de lui donner encore une chance et cela lui fut accordé. Sommes-nous persuadés que nous devons croître jusqu'à la stature parfaite de Jésus? Où avons-nous placé la barre de notre idéal chrétien? Visons-nous un minimum de croissance ou un maximum de croissance? Comment croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous le recommande Pierre dans 2 Pierre 3, verset 18? Il n'y a pas de vie sans croissance, donc on le sait.
Et si nous prenons l'exemple des plantes, nous comprenons que pour qu'une plante grandisse, il lui faut de l'air, il lui faut du soleil, il lui faut aussi de l'eau, et il lui faut aussi les nutriments qu'elle puise dans la terre. Il en est également de même pour la vie spirituelle. Il nous faut manger le pain et boire l'eau de la vie, nous dit Jésus, dans Jean 6, versets 48 à 58, que vous pourrez lire à la maison. Comment assimiler donc la nourriture spirituelle que nous prenons tous les jours quand nous lisons la Bible, et même comme si nous ne comprenons pas, même si nous ne retenons pas grand-chose, mais nous avons vu avec l'histoire du panier que le changement se fait quand même. Il nous faut d'abord prendre le temps. Les relations ne se nouent pas en un instant. Il nous faut prendre le temps, un temps de qualité et de quantité pour que notre vie spirituelle puisse grandir. Chaque jour, la régularité est importante. Un seul bon repas par semaine n'est pas mieux qu'un mauvais repas tous les jours. Mais il nous faut un bon repas chaque jour, sinon nous aurons les mêmes carences. Il nous faut rechercher Jésus. Manger la chair et boire le sang du Christ, c'est le recevoir en qualité de sauveur personnel. Croire qu'il pardonne nos péchés et qu'en lui, nous ne sommes plus condamnés. Il nous faut rechercher également la volonté de Dieu et mettre en pratique les enseignements divins. Étudier la Bible comme on recherche un trésor, une mine d'or. Et le dernier point pour la croissance, c'est également le service. Plus nous allons transmettre à d'autres ce que nous avons reçu, et plus nous pourrons grandir. Que le Seigneur donc nous aide à croître en grâce. Ce matin, nous aurons une classe unique avec Marie-Danielle pour la leçon des adultes qui s'intitule « Famille de foi ». Donc, nous donnerons au moniteur juste une minute ou deux, simplement pour saluer les membres de leur classe, et nous faisons place à Marie-Danielle après notre chant. Levons-nous pour la prière. Oui, Daniel Massouir, et de tout Seigneur. Le rapport à Dieu a-t-il été influencé par la culture ou encore la culture a-t-elle été influencée par le rapport à Dieu? Qui de l'œuf et de la poule est venu en premier? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette étude autour de la foi et de la culture avec Eddy, Michel et José. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Et José, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau pour débattre de cette thématique. Donc, bienvenue à toi. Merci. Particulièrement. Par rapport à ce thème culture et foi, aujourd'hui, par rapport à tous les courants de pensée qui nous environnent, par rapport au développement des réseaux, le monde semble être accéléré. Il y a beaucoup d'idéologies qui sont partagées. Alors, comment vivre sa foi aujourd'hui? Est-ce aussi simple?
Alors, est-ce aussi simple C'est simple et compliqué. Moi, je crois que Dieu nous a communiqué, en tous les cas, sa parole, qui, pour moi, doit servir de base, de socle. Bien sûr, ce socle-là, je dois pouvoir en dégager les grands principes qui me permettront, justement, de vivre et, à chaque génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, lorsque nous étudions donc, ces thèmes, lorsque je lis la Bible, eh bien, le texte lui-même s'enracine dans une culture, dans un environnement, mais je dois aussi le dégager de cet environnement pour en dégager les grandes lignes, les grands principes de vie. Et je crois que c'est ce qui est intéressant, en tous les cas, lorsque nous étudions la Bible, c'est qu'il n'y a pas seulement un contexte historique, un contexte culturel, mais il y a aussi et surtout une révélation de Dieu qui dépasse le cadre culturel, historique et temporel dans lequel un individu peut se retrouver. Quand on voit justement le développement de tous les moyens de communication actuels, les cultures évoluent, changent. Ma culture aujourd'hui n'est pas celle de mes grands-parents. Je vis sur le même territoire. Je suis influencée pas mal par ce que je vois, j'entends, par quelque chose que je vois sur Internet qui concerne un autre continent. Et donc, cela m'impacte également. Ça vient frapper mes croyances fondamentales, peut-être. Alors, est-ce en quelque part un défi d'avoir toujours ces croyances-là ou encore de les vivre, quelles que soient les croyances qu'on peut avoir? Ce qu'il faut croire, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui nous installe dans le socle, dans un socle inébranlable, mais néanmoins défi, parce que nous, en tant que chrétiens, nous découvrons finalement ces nouvelles donnes, ces nouveaux défis. Et donc, du fait que nous sommes effectivement installés dans le socle de Dieu, notre rôle, en fait, c'est de nous tourner vers lui face à chaque défi. Ce sera toujours un défi. Pendant toute nos vies, une éternelle dépendance à Dieu, en fait. Est-ce que on peut avoir des lumières sur ce terme chrétien? Que signifie aujourd'hui être chrétien? Être chrétien, tout d'abord, je dirais, c'est quelqu'un qui suit le Christ, c'est-à-dire le Christ Jésus révélé dans la Bible. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui lui fait confiance, c'est quelqu'un qui a, de mon point de vue, une relation d'amour avec ce personnage, non seulement historique, mais qui dépasse le cadre de l'histoire, parce que la Bible nous dit que, par exemple, dans l'évangile de Jean, quand on lit l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus dira que son existence dépasse simplement le moment où on l'a vu grandir, évoluer sur terre. Il était avant, mais la Bible nous dit qu'il est aussi après. Donc c'est vrai que ce Jésus est intemporel, mais il est venu dans notre temps. Il est venu nous rencontrer, il nous a laissé un exemple, et on continue en tous les cas par le biais de la prière, par le biais du Saint-Esprit, nous pouvons avoir cette rencontre avec lui. Et donc ce Dieu ou ce Christ n'est pas si éloigné que cela, oui, par rapport au temps, mais en même temps, il nous rattrape dans notre quotidien parce qu'il demeure, la Bible nous le dit d'ailleurs, toujours avec nous. Donc ça veut dire que c'est un personnage qui est constamment actuel et d'actualité. Mais est-ce que un chrétien, dans sa manière de faire, est différent d'un bouddhiste ou de musulman ou encore de juif? Aujourd'hui, si je me réfère à un chrétien, est-ce que ça se voit? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'un chrétien? Oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une expérience personnelle avec Dieu et qui se rend compte que sa manière de penser n'est plus la même, c'est-à-dire qu'il sort de l'état de chenille pour devenir papillon, et il se rend compte que tout est nouveau autour de lui et qu'il va remettre en question sa propre manière de penser. Et il découvre le monde, et c'est pour ça que le terme « nouvelle naissance » aussi prend aussi tout son sens, où l'homme se retrouve en défi par rapport à ce auquel il est habité, sa vie personnelle et puis ce qu'il habite maintenant. Et puis aussi, c'est aussi un défi dans la mesure auquel les amis qui sont là ne comprennent pas ce qui se passe. Souvent, quelqu'un qui fait cette rencontre se retrouve face à son,
à son appel propre, son identité propre quelque part qui se révèle. Et donc tout le monde ne peut ne pas comprendre ça. Et ça, c'est un défi aussi de pouvoir accepter les conséquences de ce qu'on devient. Mais ce qu'on devient, on est très content de le vivre parce qu'on se rend compte que même si c'est compliqué, on sait que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme si on arrive à un moment donné où on découvre ce qu'on doit être. Et c'est le meilleur moment, le plus beau moment de l'individu, en dépit même des conséquences que ça pourrait avoir autour. Alors, je mets en lien tes propos, Eddie, avec les propos de José. Il y a une nouvelle naissance qui s'opère parce qu'on est fondé sur Christ néanmoins. Mais quand on voit la société actuelle, où on parle d'éveil de conscience, de plus en plus, les personnes qui nous regardent peuvent dire qu'on peut arriver au même résultat, dans le sens où chacun est interpellé, on est dans l'ère du développement personnel, de la conscientisation des choses. Et est-ce que je peux arriver en quelque part à cette transformation par ce travail d'éveil que je fais simplement au quotidien? Alors certainement, cette évolution, je dirais, ou cette transformation peut être possible. Parce qu'effectivement, l'être humain, avec l'intelligence qu'il a, en se donnant un style de vie, en adoptant de nouveaux comportements, peut parvenir à et produire un certain nombre de changements dans son existence. Heureusement, il y a le résultat également de l'éducation qui peut également façonner et modeler des individus. Toutefois, nous ne sommes pas seulement en train de parler de ces phénomènes qui peuvent exister et qui sont au niveau de l'être humain. Nous sommes en train de parler en tant que croyants de quelqu'un qui est à l'extérieur de nous et qui vient habiter en nous et qui vient produire un vrai changement. Et ce n'est pas seulement un éveil, mais c'est une transformation radicale. Alors, cela peut être complexe pour ceux qui nous écoutent, mais en fait, je crois que la relation à ce personnage Jésus, à cette personne, en fait, nous permet de prendre conscience de la réalité de la vie, de la vraie vie. Parce que, en fait, le monde qui nous entoure, d'un point de vue biblique, eh bien, c'est un monde qui est entaché aussi par la faute, par le péché, ce que la Bible appelle le péché, et qui nous dénature, qui nous amène vers la mort et nous tire constamment vers le bas. Tandis que dans la rencontre avec Jésus, eh bien, on découvre le beau, le noble, on découvre également la vie, c'est-à-dire que l'existence ponctuelle qui est la nôtre, qui peut être jusqu'à 115, 125 ans, 130 ans, peut-être pour les extrêmement robustes. En fait, nous entrons là dans la vraie vie, c'est-à-dire celle de l'éternité avec Dieu qui dépasse le cadre temporel qui est le nôtre. Et je crois que c'est là aussi où la Bible, eh bien, et la rencontre avec ce Jésus, ce personnage, eh bien, elle est totalement différente de tous les concepts que nous pouvons découvrir aujourd'hui comme philosophie. Maintenant, permets-moi juste 2 secondes de pouvoir répondre aussi partiellement à la question que tu as posée précédemment. Oui, il y a une différence entre les chrétiens, déjà entre les chrétiens entre eux, puisqu'il y a plusieurs dénominations, il y a un tronc commun de chrétiens, mais en fait, il y a plusieurs dénominations, plusieurs personnes, en tous les cas, se nomment chrétiennes, mais avec tous les autres mouvements religieux, oui, il y a une différence. Chacun vit sa foi par rapport à sa perception, par rapport à sa compréhension du message, de son éducation, du message. Par exemple, chez les hindous, eh bien, ils ont aussi une philosophie, une manière de percevoir la vie, de l'appréhender. Et donc, dans toute religion, en tous les cas, eh bien, il y a un cadre. Et je crois que le christianisme également à son cadre. Le cadre, on l'a posé, c'est la personne de Jésus. Alors, on va découvrir effectivement que au fur et à mesure que le christianisme va se développer parallèlement une certaine culture du christianisme, avec de bons comme de mauvais côtés. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions tout à l'heure. Ça me permet, cette ouverture sur les autres, me permet d'introduire cette question. Quelle attitude avoir avec l'autre qui est différent de moi? Première des choses, à mon sens, c'est que chaque individu a droit au respect de la rencontre. Et c'est ce respect qui peut favoriser la relation,
qui peuvent favoriser l'échange. Et c'est comme, en quelque sorte, un défi de la rencontre, sans rentrer dans du syncrétisme, mais rencontrer l'autre pour ce qu'il est. Et puis, c'est les événements tout autour, dans la relation que je veux à tout prix développer avec l'autre, en tant qu'ami, en tant que personne que j'accepte, personne que je reçois, et j'espère que c'est en retour que je reçois ce retour, et que cela me fasse la possibilité d'échanger et de continuer à grandir moi-même, personnellement, de toute ces fleurs de toutes les couleurs qu'on peut trouver autour de nous, et quelque part qui peut nous enrichir. Même un bébé peut nous enrichir par un simple petit mot, être ouvert à l'autre. On a un devoir d'ouverture à l'autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas, en quelque sorte, que les chrétiens ne se positionneraient pas comme des colonisateurs ? Alors certainement, quand on étudie un peu l'histoire, le christianisme, en tous les cas, a fait partie justement de ceux qui ont colonisé, qui ont également soutenu les colons, et qui ont parfois même favorisé l'esclavage, quand on étudie un peu l'histoire. Toutefois, il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on a des convictions, on a envie de les partager. Et parfois, malheureusement, eh bien, nous tombons dans l'extrême et nous voulons nous imposer aux autres. Et c'est là où, par rapport à ce que disait José, moi je trouve que c'est extrêmement important, le respect que l'on doit à tout individu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son sexe, nous sommes appelés à respecter cette personne parce que, selon la Bible, le texte qui nous soutient dans nos croyances, qui porte nos valeurs, nos croyances, eh bien, nous sommes des créatures de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a pensés, il nous a façonnés, il nous a voulu, il nous a désirés. Et donc, par rapport à ce droit de création, eh bien, je me dois de respecter l'autre. Et pour pouvoir entrer en relation avec lui, donc, je dois pouvoir l'accueillir. Ce n'est pas deux murs qui doivent s'opposer et qui doivent se heurter, mais au contraire, je dois avoir mes croyances. Et chacun doit pouvoir être libre de croire. Mais est-ce que la difficulté ne vient pas du fait que le chrétien, en quelque sorte, se croit meilleur que les autres ? Oui, alors le chrétien authentique, j'ai du mal à croire que c'est possible, que ça reste aussi un défi aussi. Parce que quand on rentre dans les certitudes de rencontre avec Christ, on voudrait à la limite peut-être l'imposer aux autres. Et le côté conquérant, sonner comme ça, ça ressemblerait plus à une agression, une espèce de colonisation de l'esprit de l'autre. Et ça, je ne pense pas que Dieu soit d'accord avec ça. Regarde comment Jésus, lui, quand il a rencontré la Syrophénicienne, quand il rencontre le centenier romain, quand il rencontre la Samaritaine, c'est toujours sur un terrain propre à leur environnement. Le centenier romain, c'était sur une question de hiérarchie. La Syrophénicienne, c'était une question de chien qui mange, qui tenterait de manger le pain des enfants. Et toujours Jésus, dans celui qui se trouve sur le territoire, qu'il soit l'envahisseur, le Romain, c'était l'envahisseur, et pourtant, il va aller à sa rencontre. Donc, la rencontre est possible avec l'autre, et justement, ça nous ouvre l'esprit sur la question de comment, par exemple, Élie a pu aller chez la veuve de Sarepta, qui était une étrangère. Donc, aujourd'hui, le défi m'est lancé, quand c'est dit comme ça, comment je rencontre l'autre qui est en face de moi ? J'ai peut-être raté une occasion de rentrer dans un vrai partage et pas pour conquérir l'autre avec mes dires, mais être un conquérant pacifique. Et ça permet justement de voir comment la Bible aborde ces rapports interculturels. C'est vrai que tu as mentionné pas mal de passages. Quelles leçons pour nous ? Tu poses la question de comment, ça nous interpelle, le comment entrer en relation avec l'autre. Mais comment ces histoires que tu mentionnes devraient nous outiller dans notre relation avec l'autre qui est différent. Alors juste avant de répondre directement à ta question, permets-moi de dire que c'est vrai que les textes bibliques ne sont pas toujours très beaux.
parce qu'il dévoile aussi une réalité de faits qui se sont produits. Par exemple, quand on observe les guerres, lorsqu'on voit le nombre de personnes parfois qui étaient tuées au nom de Dieu, ça laisse quand même dubitatif. On est dans la réflexion, on se dit, mais pourquoi sont-ils allés jusque-là? Alors, quand on étudie un peu les textes, on comprend un peu mieux que parfois ce n'était pas toujours la volonté de Dieu. Derrière, il y a aussi une pédagogie du jugement divin qui s'exerce et qui est un petit modèle du grand modèle. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures sous différents angles du texte biblique qui nous permettent de mieux comprendre un certain nombre de choses, mais n'empêche que cela ne s'est pas toujours fait de façon apaisée. La façon dont José a présenté les choses, je dirais presque que c'est idéaliste. C'est vraiment ce que nous souhaitons véritablement pour chacun de nos auditeurs. Mais n'empêche que dans la réalité, ce n'est pas toujours cela. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais de croyance, quand on est face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances, on veut avoir raison d'une certaine manière, et parfois par le verbe, par l'attitude, eh bien, on veut le coloniser, on veut qu'il adopte tout de suite en fait nos croyances. N'empêche que la Bible ne nous invite pas, bien qu'elle nous invite au partage, elle nous invite à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, mais toujours dans le respect de l'autre. Et ce n'est pas toujours ce que nous réussissons à faire. L'exemple donné dans Actes chapitre 10 nous montre bien que Pierre, lui, il avait ses appréhensions. Il avait du mal. Il le dira lui-même. Moi je trouve vraiment courageux de sa part quand même qu'il dise, vous savez, dans Actes 10, par exemple, il dit, vous savez que normalement, les Juifs n'entrent pas chez les païens. Mais le Seigneur m'y a conduit, et là je suis prêt quand même à échanger avec vous. Donc on voit que Dieu va aussi... C'est dans le cadre de l'histoire de Pierre et de Corneille, oui, pour ceux qui nous suivent. Tout à fait, dans Actes chapitre 10, Dieu va utiliser et parfois va même forcer un peu les choses pour que les hommes, pour que les écailles tombent des yeux des hommes, pour qu'ils commencent à se regarder, non pas comme ils se voient, mais comme Dieu les regarde. Et par rapport à ce que José disait tout à l'heure, personnellement, c'est quelque chose que j'essaie de mettre dans en pratique dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire ne pas m'arrêter premièrement aux apparences, à ce que mes yeux voient, mais à considérer l'autre en tant qu'individu, en tant que personne, quelqu'un que Dieu aime. Et je crois que quand on commence à mettre cela en pratique, eh bien, on voit les autres beaux. Peut-être pas forcément par rapport aux là, actes. Il faut dégager son esprit de toute idée reçue c'est ça, oui, de toute comparaison. Oui, c'est un travail à faire. Non pas regarder aux actions posées par cette personne. Elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi être très négatives. Mais regarder en dépit de tout, bien qu'il faille traiter aussi les actions posées par les uns et les autres, mais n'empêche qu'il y a un regard posé sur la personne humaine. Et c'est là où je dis qu'effectivement, en tant que croyant, dans cette relation, en tant que chrétien, relation avec Jésus, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est pas quelque chose d'accessoire. C'est ce qui vient vraiment comme socle, qui guide et qui construit sur laquelle, en fait, ce socle sur laquelle je construis ma vie. C'est-à-dire regarder l'autre, eh bien, comme une personne que Dieu aime et que quelqu'un que Dieu veut sauver. Mais de la même manière où nos croyances, que l'on veuille ou pas, influence un peu cette entrée en relation avec l'autre, est-ce qu'en quelque part, les croyances que l'on peut avoir n'influenceraient pas notre relation avec Dieu? On ne serait pas meilleur que les autres. Je crois que le chrétien authentique, à propos d'un texte dans Romains 3, verset 23, on peut lire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». S'il y a quelqu'un qui comprend vraiment qu'il est privé de la gloire de Dieu sans Jésus, c'est bien un chrétien. Et quand il se retrouve face à une personne quelque part qui ne sait pas encore ça, son rôle c'est dans le partage, c'est dans ce partage finalement pour cette prise de conscience progressive. Donc si je ne me prends pas pour meilleur, il y a une humilité quelque part qui pourrait toucher celui qui croit que je serais placé à un très haut niveau, et ça peut impressionner quelqu'un et ça crée une porte ouverte pour une personne qui quelque part voudrait connaître, et c'est la capacité de cette personne de nous écouter dépend de notre capacité finalement d'être humble pour venir
comment dirais-je, dans la conversation, dans l'entretien, dans la communication qu'on a avec cette personne-là. S'ouvrir également, mais alors, soit par rapport à autrui, mais soit par rapport à Dieu. Est-ce que ce n'est pas le même processus aussi? Dans l'image, le sens où les croyances que l'on peut avoir peut nous restreindre, oui, nous emprisonner, nous embrigader dans cette relation à Dieu, ou au contraire, nous ouvrir, nous vivifier, bonifier cette foi qu'on peut avoir en Dieu. Est-ce que, en quelque part, on n'est pas influencé par le contexte culturel du pays, de la société dans laquelle on est? Oui, il est certain que dans notre manière d'aborder les autres, nous sommes constamment dans une recherche intérieure. Et comme l'a dit Eddie tout à l'heure, c'est que même Pierre, le grand apôtre Pierre, quelque part, que Dieu doit lui donner plusieurs étapes, plusieurs jalons pour comprendre que Dieu ne rejette personne. Donc nous nous retrouvons tous dans une situation auquel le défi, il est permanent, et de dire à l'autre que j'ai découvert quelque chose de nouveau. Et quand on est dans cette humilité-là, on a un comportement qui dit quelque chose à l'autre. Et Dieu lui-même, Jésus sur la terre même, c'était étonnant qu'il dise finalement, roulez-vous-même la pierre, roulez-vous-même la pierre. Comme si Dieu veut à tout prix que l'homme puisse participer à son évolution. Et donc nous, nous ne pouvons pas être moins royalistes ou plus royalistes que le roi, nous devons imiter celui qui est notre maître. Mais justement, par rapport à la question que tu poses, nous vivons dans un milieu ambiant et nous sommes influencés dans notre lecture du texte biblique, dans notre vécu religieux, nous sommes influencés par nos croyants. Par exemple, nous sommes des croyants adventistes du septième jour. La façon dont nous vivons notre foi en Martinique n'est pas la façon dont vivent les Américains. Vivent les Canadiens, vivent les Portoricains, les Jamaïcains, les Africains. Alors comment faire la part des choses, Eddie? Comment faire la part des choses entre la croyance fondamentalement spirituelle qu'il faut avoir et la croyance qui est influencée par la culture et qu'il ne faudrait pas forcément avoir? Alors justement, c'est là un défi, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de rejeter la culture dans laquelle on vit. Non, on est imprégné, et qu'on le veuille ou pas, de toutes les façons, elle impacte notre vie. Toutefois, il y a des choses qui sont mises en évidence dans l'étude de la Bible et dans cette relation avec Dieu. Et au fur et à mesure que je vis cette relation à Jésus, que j'étudie la parole, je comprends qu'il y a des choses qui sont bonnes à laisser. C'est pourquoi je parlais de principes qui dirigent notre vie indépendamment du cadre culturel. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont admises dans la culture, il y a un style de musique, moi je ne rejette pas, mais il y a des choses, c'est pas tout type de musique, même culturelle, que l'on devrait accepter. Pourquoi? Parce que nous savons que dans un certain nombre de musiques, il y avait aussi des incantations aux esprits. Donc, par rapport à cela, quand moi je lis le texte biblique, par rapport à la notion de l'immortalité de l'âme, les esprits, la notion de mal, je me dis, attention, il y a peut-être des pratiques musicales que je ne devrais pas avoir, parce que ça me placerait sur le chemin direct du diable. Mais ce n'est pas que la culture soit mauvaise ou que la musique de chez nous soit mauvaise, mais certaines musiques, certains types de musique, eh bien, quand on étudie ces questions, eh bien, je me dis, ça éveille, donc c'est une prise de conscience. Donc je ne peux pas non plus aller et baigner dans toutes ces choses, alors que je sais que c'est me placer là, sur le terrain de l'adversaire. Alors c'est vrai que tu as donné un exemple, José, je t'ai vu réagir. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que Dieu est responsable finalement de ce côté multiculturel, qu'on doit se rappeler comment les langues se sont séparées à la tour de Babel. Et donc, ce qui fait que cette confusion, c'était pour amour pour l'homme, mais en même temps, Dieu n'a jamais, on ne peut pas oser penser que Dieu a abandonné tous les Allemands qui sont partis de leur côté, tous les Anglais qui sont partis de leur côté, il les a suivis. Mais ça ne signifie pas que ce Dieu qui est le maître, entre guillemets, de la culture, si je peux employer ce terme, finalement, c'est où s'est trouvé tout ce qui ne correspond pas réellement à la manière de Dieu. Donc c'est pour cette raison que je me rends compte que lors de la Pentecôte, quand ils ont commencé à prêcher les disciples,
Il y a eu 5000 personnes qui se sont converties, et puis surtout que des hommes parlaient des langues étrangères. Surprise, Dieu aussi est capable de permettre à celui qui l'a appelé de rentrer en contact avec l'autre d'une autre langue, parce que Dieu est le maître de toute langue, parce que Dieu veut rentrer en contact par amour pour l'homme, il veut rentrer en contact, et le résultat, c'est la conversion de l'homme, la conversion de milliers de personnes. Donc Dieu, je dois lui faire confiance, je sais que c'est mon Dieu qui est capable de m'aider à rentrer en contact avec n'importe qui aujourd'hui, quel que soit l'endroit, la latitude, la religion, peu importe, c'est possible. Tout à fait. Alors, dans la continuité, comme le temps file, est-ce que par rapport à tout ce qu'on a évoqué, toutes ces influences que nous avons, est-ce que vous ressentez malgré tout une baisse de la foi, de manière générale? Et comment peut-on la transmettre encore aujourd'hui? Alors, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour dire qu'il y a une baisse de la foi. Je pense peut-être que les gens la vivent autrement. Et puisque nous disions au tout début de cette émission que, bien sûr, nous sommes un peu comme des GPS dans notre relation avec Dieu. Au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on réajuste, on ajuste. Mais l'essentiel, c'est de demeurer en relation avec. Et par rapport à la question posée, en fait, aujourd'hui, il est possible... Et il restera toujours possible de transmettre la foi parce qu'elle se transmet aussi au travers de l'exemple que personnellement je vis. Donc par rapport à mon entourage, il sera quand même impacté. Il verra des choses positives, parfois négatives, mais il va se dégager de mon existence des valeurs, des grands principes. Et que je puisse aimer Dieu eh bien, en longue robe, comme dans certains territoires, que je puisse aimer Dieu et vivre eh bien, en jupe, ou en pantalon, ou en short, ce qui est important, c'est de pouvoir aimer Dieu, aimer l'autre. Ça, ce sont de grandes valeurs, ce sont des principes. Et chercher constamment à vivre ce qui plaît à Dieu. Parce que Dieu, c'est un être, et il y a des choses qui lui plaisent, il y a d'autres qui ne lui plaisent pas. Eh bien, plus nous sommes, c'est comme une relation de mariage, et ce, indépendamment de la culture. Et il ne faut pas la rejeter, la culture. Mais au contraire, il y a des choses, comme je disais, à prendre, mais aussi à abandonner. Et dans une relation de couple, eh bien, plus on vit ensemble, eh bien, plus on se rapproche, et plus on cherche également, quand on est dans le vrai amour, eh bien, on cherche à faire plaisir à l'autre. Eh bien, dans la relation avec Dieu et avec Jésus, c'est exactement la même chose. Eh bien, en transmettant à mes enfants, je ne peux pas transmettre simplement que de l'intellect, qu'une philosophie. Je transmets aussi ce que moi, je suis en train de vivre, et mes enfants l'accueillent, et puis... En grandissant, eh bien, ils vont aussi adapter. Et c'est pourquoi les choses bougent. C'est jamais figé. C'est pas quelque chose dans un carton bien imbriqué. Et puis c'est comme ça que l'on transmet. Non, ils vont l'accueillir, ils vont le vivre, ils vont vivre avec Jésus d'une certaine manière, et ils vont aussi l'adapter dans leur quotidien. Et d'ailleurs, nous allons l'aborder de manière plus approfondie lors de la prochaine étude. Oui, José. À ta question, effectivement, y a-t-il plus ou moins de zèle qu'aujourd'hui? S'il faut regarder l'intensité de ce qui s'est passé à la Pentecôte, aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, bon, mais de toute façon, il n'y a pas photo. Mais est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas de zèle? Parce que souvent, nous croyons que nous sommes étonnés. D'ailleurs, Dieu avait étonné le prophète Élie en disant finalement qu'il y avait 7000 qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Donc, ça signifie que Dieu a toujours ses enfants quelque part, des fois, qu'il nous faut découvrir. Comme je disais tout à l'heure, le centenier romain, la samaritaine, ils sont tous là quelque part, mais avons-nous suffisamment de foi pour découvrir cela? Peut-être qu'on sera très surpris de voir à quel point, si nous sommes ouverts à Dieu, comment nous pouvons en fait nous ouvrir à l'œil et découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Alors, quant à la transmission, notre papa qui est dans le ciel n'a pas pu garder son meilleur enfant crié, c'est-à-dire Lucifer. Et nous, dans la transmission, il faut savoir qu'au bout, il y a un récepteur. Le récepteur, ce n'est pas un objet, c'est un être humain qui est libre d'accepter ou de refuser ce qu'il entend. Mon rôle en tant que parent, si je suis parent ou bien quand je transmets à n'importe qui, je dois être sûr que ce que j'apporte, c'est vraiment l'amour à l'autre, mon cœur, par rapport à la manière dont j'ai perçu Dieu. Et donc, ce qu'on peut, c'est simplement espérer
espérer. On est là, je crois que c'est le moment le plus important. Quand Dieu va s'adresser à cet enfant, à cette personne, est-ce que la personne va accepter? Parce qu'aujourd'hui, je mets devant toi le bien et le mal, et Dieu conseille de choisir la vie. Et donc, c'est, nous sommes dans cette anxiété-là quand nous sommes, nous sommes avec les autres, que nous rencontrons. Merci José, merci Eddy. Malheureusement, le temps est parti et terminé. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Nous n'avons pas de livre d'or comme habituel, mais vous êtes encore à nouveau les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Et Solange va vous offrir un poème. Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. La vie est comme une rose.
En effet, elle a ses épines, mais elle a aussi un parfum délicat. Âpre est le combat, mais toujours tu es là. Les saisons qui passent n'enlèvent rien à cet état. Soucieux de la floraison à venir, en période de sécheresse, tu désaltères les roses. Et en période d'intempérie, tu prépares un abri pour ces fleurs que tu as rachetées à un prix si élevé. Seigneur, toi seul sais ce que nous pouvons porter. Toi qui nous connais si bien et nous fortifie au quotidien. Tout le long du chemin, tu nous encourages pour que nous franchissions la ligne d'arrivée, pour que nous comprenions, si nous l'avons oublié en cours de route, que la vie est précieuse et n'est assurément pas une perte de temps ou d'effort. Tant de tendres souvenirs en famille accumulés, tant d'orages dans nos vies que tu as su apaiser, tant de murailles renversées, pulvérisées par toi. Ces rencontres si cruciales, dont la première avec toi. Toutes ces vies que tu as reconstruites alors que tout semblait perdu. Comme les fleurs se tournent vers la rosée, nous devons faire de même avec notre Sauveur. Bientôt germera de tes doigts un chef-d'œuvre de tableau que nul œil n'a vu. Que ton amour nous guide pour que nous fassions partie du magnifique bouquet que tu souhaites réaliser. Bonjour, chers frères et sœurs. Le département d'Orcas et son équipe vous salue fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Dorcas, dans les temps bibliques, était une femme qui faisait de bonnes œuvres et qui était connue de tous pour sa générosité. Et nous pouvons trouver ce texte dans Actes 9, le verset 36. Dans le cadre de nos missions, nous avons, au cours du dernier trimestre, distribué des petits déjeuners, comme d'habitude, des vêtements au SDF sur la ville de Fort-de-France. Nous avons remis également des colis aux familles de l'Église et à des personnes qui sont dans le besoin, qu'ils connaissent et qu'ils ont permis de remettre ces denrées. Et je profite de l'occasion pour vous dire que si vous connaissez des personnes en difficulté,
vous vous rapprochez du département de Dorcas, de la responsable, de moi-même, ou si vous connaissez les membres de Dorcas, vous vous rapprochez d'eux et on va faire le nécessaire. Alors, nous vous remercions, frères et sœurs, parce que nous savons que, et nous savons que vous participez activement à l'action par vos, vos denrées alimentaires et vos dons financiers, ce qui nous permet d'être des relais de votre générosité pour ceux qui sont dans le besoin. J'encourage ceux qui n'ont pas encore participé à notre grande œuvre à faire cette belle expérience avec nous. Et nous avons aussi distribué une quinzaine de jolies corbeilles pour des mamans que nous avons voulu honorer durant la fête des mères. Et je peux vous dire qu'on a échangé avec eux et ça a été des échanges merveilleux, puisque nous sommes allés par groupe de deux. Et on a fait un petit bilan pour savoir comment ça s'est passé. Et ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. Et ces mères, elles étaient vraiment contentes qu'on ait pu penser à eux. Alors nous pouvons dire amen. Dieu nous a permis de faire cela. Alors que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et que nous continuions à œuvrer pour la mission. Et pour terminer, nous allons prier avec le frère Noléo. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la vie que tu donnes à chacun, pour les bénédictions que tu nous accordes et merci de pouvoir nous permettre de partager ces bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin. Merci encore une fois pour la bénédiction qu'en ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donnée et permets-nous de partager cette vie avec les autres au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. As we enter in to worship you, you're the King of kings, we honor you. No one's greater than the God we serve. You are high above all. Consume us with your presence now. See your face is what my heart desires. Surround us with your love and grace. Let your train fill this holy place. We long for your glory. Oh, please send down your glory. Your glory. Glory, let it be.
Bonjour à tous. Je vous invite à entonner avec nous le chantème qui introduit le moment des communications. Seigneur, que ma vie transmette l'amour. Commençons par les annonces fédérales. Regardez chaque semaine nos articles et photos et vidéos sur adventiste-martinique.org. La fédération vous invite à visiter leur site ainsi que les articles qui sont sur ces différents sites. Minelli, aujourd'hui, sabbat 15 juin 2019. Alors aujourd'hui, nous sommes tous invités à suivre l'émission Les Sentiers du Bonheur. Le thème de la causerie de cet après-midi est le suivant, père ou papa? Aussi aujourd'hui aura lieu l'ouverture d'une classe d'études bibliques à 15h30 au siège de la Fédération pour tous ceux qui communiquent par le langage des signes. Alors cette semaine, Néerlande. Oui, cette semaine, donc demain, dimanche 16, les séminaristes qui ont participé au Camp Santé, qui s'est tenu à l'hôtel Cap Macabou au Vauclin, donc ce séminaire s'est déroulé au mois d'avril, sont invités à une réunion qui aura lieu au siège de la Fédération à 10h. Tous les participants sont priés d'amener leurs examens de laboratoire. Toujours demain, dimanche 16, les étudiants de l'IPFL, donc il s'agit du ministère des laïcs, sont attendus au dernier cours de l'année qui aura lieu au collège Lisette Moutachi demain à 8h30. Toujours cette semaine, vendredi 21, il s'agit des vendredis de l'orchestre avec l'orchestre La Voix de l'Espérance à l'église adventiste d'Éphèse à 19h. Nelly, la semaine prochaine. Alors, Néerlande, la semaine prochaine, alors dès samedi 22, samedi prochain, la Fédération nous informe que la revue Essor sera disponible dans chaque église. Mais dans celle-ci, il y aura un dossier spécial concernant les dons spirituels. Alors, nous sommes tous invités à faire le test pour savoir quel est notre don reçu par notre Dieu. Dimanche prochain, à l'occasion du centenaire de l'adventisme à la Martinique, aura lieu un défilé avec tous les chefs guides et tous les clubs JIA aux marins à 7h dimanche 23.
La fédération vous informe qu'une formation et groupe de parole à l'attention des aidants familiaux auprès des enfants, des jeunes en situation d'handicap et des personnes âgées a lieu. Donc, vous êtes prié de vous inscrire au 0596 61 99 99 ou au 0696 53 79 03. Mélélie, prions pour nos élèves et étudiants. Oui, Néerlande, nous sommes tous invités dans ce mois de juin à prier pour nos élèves et étudiants qui se rendent à l'examen et puis pour tous ceux qui pourront avoir des difficultés vis-à-vis du sabbat. En outre, le département de la liberté religieuse invite chaque famille et chaque étudiant à faire les démarches nécessaires pour la prochaine rentrée concernant la liberté du sabbat. Nous passons aux annonces locales. Alors, appel urgent de la directrice, la responsable du ministère de Santé, Sœur Prudent Marthe. Le personnel de santé sont priés de prendre contact avec la responsable de toute urgence. Cet après-midi, il y aura réunion des castors et des aventuriers. Aventuriers seulement. 16h30. Minélie. Alors, samedi prochain, ici à Horeb, le culte d'adoration sera tenu par nos enfants et nos adolescents. Alors, chers parents, durant cette semaine, vous êtes sollicités pour permettre à vos enfants d'apprendre leur participation pour samedi prochain. Et puis, nous sommes tous invités à venir adorer notre Dieu avec nos enfants et nos adolescents samedi prochain. Dimanche prochain aura lieu notre prochaine sortie santé. Et aujourd'hui, samedi 15 juin, est le dernier jour pour s'inscrire à cette sortie. Alors, pour toute inscription, n'hésitez pas à vous rapprocher de la sœur Prudent Marthe. Deux dates à retenir le samedi 29 juin, culte chanté ici à Horeb. Vous êtes priés d'inviter vos amis, mais surtout de venir assister afin d'adorer notre Dieu. Samedi 6 juillet, cérémonie de Sainte-Seine. Minélie, prions pour nos malades. Oui, prions pour Atine Fernande, Auguste Emmanuel, Beaufoy Eustache Albert, Bernia Denise, Calcul Céline, Charles-François Bertin, Citonie Inès, Contrôle Théogène et Hélène, Denis Yvette, Digonale Mélanie, Égard Rose, Galette Hortense, Jean-Baptiste Catherine, Lémon Louisa, Libère Louise, Louis-Jean LD, Pascaline Noémie, Pinard Armande. Pensons aussi à tous ceux qui ont besoin de soutien dans la prière. Continuons à prier et à soutenir la famille Noël-Augustin. Pensons à ceux qui sont dans la vallée de la décision pour suivre Jésus et pour les anciens membres d'Église. Nous vous rappelons qu'une boîte de prière est à votre disposition à l'entrée du temple. Vous êtes priés de faire bon usage. Minélie. Alors, la permanence sanitaire de ce sabbat 15 juin est assurée par la sœur Anderson Rosémé. Et puis, pour pouvoir contacter le pasteur et notre premier ancien, n'hésitez pas à lire leurs coordonnées sur votre feuille d'annonce. Réflexion. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'équilibre du caractère. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, versets 7 à 8. Pensez à méditer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Passage tiré dans Jean 1, versets 12 à 13. Minélie, à bientôt. À bientôt. Les communications vous saluent et vous souhaitent un bon sabbat. Je vous invite à vous tenir debout pour commencer notre service du culte. Maison pour t'adorer, Seigneur.
l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Gloire au Dieu Créateur. Que cette prière chantée soit véritablement le désir sincère du cœur de chacun de tes enfants présents ce matin. Que la gloire, l'honneur te soient rendus, car tu en es digne. Nous réclamons ta sainte présence parmi nous selon ta promesse. Par ton Saint-Esprit, instruis-nous. Fortifie-nous et bénis-nous, tandis que tu nous pardonnes de nos péchés en notre Sauveur Jésus. Nous te prions en son nom et pour ta gloire. Amen. Bonjour. Ce matin, sois la bienvenue. Sois le bienvenu. Sache que tu n'as pas fait fausse route. Ton GPS t'a conduit sur le chemin du bonheur où tu trouveras la paix, la joie, la consolation, l'amour et la liste est encore bien grande. Mais ose être la femme, l'homme, le jeune, l'enfant qui laissera Jésus conduire ses pas, car c'est le meilleur des pilotes. Ce matin, ce pilote te dit « Laisse-moi te conduire en la présence de notre Père Céleste. » Bienvenue à chacun d'entre vous. Amen. Adorons le Roi glorieux, en entonnant les paroles du numéro 27 de notre hymne et louange. Thank you.
Avant de prier notre Dieu à genoux, nous lisons dans sa parole, dans le livre des Actes, au 9e chapitre, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il lui répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 6. Tous ceux qui le peuvent, prions à genoux. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Dieu, ton peuple se trouve devant toi, réuni à genoux en cet instant, pour t'adorer, pour continuer à te louer en ce beau jour de sabbat. Chacun, nous voulons nous associer aux saints anges qui, eux aussi, se prosternent. Écrit Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Malgré nos péchés, tu viens en notre présence par ton amour et ta condescendance pour nous relever de la malédiction du péché par le sang de Jésus et faire de nous tes enfants, nous préparant pour vivre en ta présence avec les saints anges qui te sont restés fidèles. Nous te prions de nous accepter devant ta sainte face, car nous voulons nous humilier, nous voulons te confesser nos péchés, te demander pardon, et la force, te demander la force, de nous aider à les délaisser ces péchés, nous purifiant par ta grâce et ton amour infini. Nous avons reçu beaucoup d'instructions ce matin depuis l'école du sabbat. Nous savons que tu as un message encore pour le cœur de chacun de nous, présent, aussi bien que ceux de nos frères qui adorent aussi avec nous à travers du net. Nous te prions, notre Seigneur, notre Dieu, de nous donner, de nous laisser toucher le cœur par ton Saint-Esprit, présent dans cette
pièce dans cette salle et que nous sentions le désir vraiment de nous lâcher totalement à toi pour que nous vivions à ta gloire, pour notre salut et le salut de ceux qui sont autour de nous. Nous voulons te demander d'une manière spéciale l'onction pour ton serviteur, Harry, qui nous donnera le message du jour, comme il a fait depuis toute la semaine, depuis sabbat dernier. Et nous croyons aujourd'hui encore que le message ira droit au cœur de chacun, poussant certains à la décision de sceller une alliance totale avec toi, poussant d'autres à se consacrer, se reconsacrer, Seigneur, à toi, car beaucoup errent ou ont erré aujourd'hui encore. Permets que cela passe, ça ne soit pas un événement comme d'autres dans la vie de ton Église, mais que chacun se positionne, se questionne, se regarde dans le miroir de ta parole, de ta loi, et fasse un choix déterminant pour leur salut. Seigneur, nous t'avons apporté tout ce que le peuple, ta dîme et les offrandes qui te reviennent. D'un cœur sincère, tu nous les déposerons dans la sébille pour contribuer à l'avancement de ta cause. Tu béniras chacun de nous et tu nous aideras à être fidèles. Fidèles, Seigneur, car toi, tu es fidèle. Merci, Seigneur, de nous bénir, de nous fortifier jusqu'à la fin de ce service. Et que nous repartions assurés d'avoir rencontré avec toi. Pas seulement d'avoir fait partie d'une assemblée, mais de t'avoir rencontré et prêt à t'obéir. Nous faisons cette prière, nous n'avons pas de dignité, mais dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus. Et que la gloire te soit maintenant et toujours. Amen. Service de fidélité. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Je prie les Jacques et les Jacques de passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes, et ensemble nous jeterons le champ des circonstances. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il pourvoit.
à bien vouloir se rapprocher. Comment allez-vous? La semaine a été agréable? Très bien. Jésus a été avec nous? Très bien. Et les parents, comment allez-vous? On va dire bonjour aux parents et puis après aux enfants internautes qui nous regardent au travers le monde. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. On dit bonjour aux parents? 3, 4. Bienvenue à chacun, bienvenue à la famille d'Esther. Esther, on l'a vue, ça fait près de 2 ans, il me semble, et quand je l'ai vue hier soir, je ne l'ai presque pas reconnue parce qu'elle a beaucoup grandi. Donc, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier dans la salle avant que je ne commence? Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Olivier? Donc, il n'y a pas d'Olivier, on peut y aller. Ce matin, il y a Olivier? Je vais changer le prénom de mon personnage. Pureté du corps et pureté du cœur. Nous allons l'appeler Michel. Michel est un petit garçon. C'est pas grave, désolé. Je vais garder mon Olivier. Olivier est un petit garçon qui n'aime pas se laver. Quand maman lui dit, Olivier, il faut passer à la douche, attends tout à l'heure. Papa lui dit, Olivier, il faut aller se laver. Papa, je termine ma partie de jeu. Quand sa sœur vient lui donner la main, sa main est toute collante. Olivier, il faut aller te laver. Tout à l'heure. Olivier disait, mais à quoi bon se laver, puisque dans un moment je serai sale? À quoi bon me laver les mains avant de manger, puisqu'elles seront sales tout à l'heure? Il faut trouver une solution pour Olivier. Grand-mère arrive à la maison, elle voit son petit-fils avec des vêtements qui sont crasseux, elle vient pour l'embrasser, la joue est collante. Alors, le soir, après le souper, quand Olivier est allé se coucher, grand-mère a une idée. Elle va dire au reste de la famille, voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas faire la vaisselle. Nous allons laisser les bols sales tels qu'ils sont. Nous n'allons pas ranger le salon. Les papiers vont rester par terre comme ils sont. Et puis, nous n'allons pas non plus nous baigner. Alors, le lendemain, le petit Olivier se réveille et demande un bol propre pour prendre son chocolat. Maman, puis-je avoir un bol et une cuillère pour mon chocolat? Et puis, il regarde autour de lui, il y a quelque chose qui cloche. Mais, c'est bizarre. Et maman lui dit, mais non, les bols n'ont pas été lavés, mais à quoi bon les laver puisqu'ils vont se ressalir? Olivier, qui regarde le reste de la famille, personne n'est baigné. Il va au salon, les papiers jonchent par terre, les fauteuils sont dérangés, rien n'est fait. Alors Olivier va réfléchir. Quand il était tout seul, sale, ça ne le dérangeait pas. Mais maintenant que sa sœur, papa, maman et mamie ne se sont pas lavés, ça le dérange. Et puis, il va observer, il va dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas lavé? Mais à quoi bon, puisque tout à l'heure, on sera sale. Et quand Olivier
compris ce qui se passait, Monsieur Olivier est allé dans la salle de bain. Il s'est lavé. Il est revenu tout propre et sentant bon dans la maison. Donc, le reste de la famille a suivi. Tout cela, les enfants, pour vous faire comprendre que Jésus veut que nous soyons propres, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur également, parce qu'il voudrait que notre petit cœur soit propre. Mais vous savez qu'au temps de Jésus, ça se passe il y a longtemps avec les enfants, avec le peuple juif, il y avait des traditions. Et avant de passer à table, il fallait obligatoirement se laver les mains pour manger. C'était une tradition. L'eau propre purifie notre cœur, pas vrai? On ne prendra pas sa douche avec de l'eau sale. On prendra sa douche avec de l'eau claire et de l'eau pure, de l'eau propre. Et tout cela pour nous faire comprendre que sur le chemin qui mène au ciel, il est important d'être propre, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il faut être comme quand on veut aller pour aller au ciel. À l'intérieur, il faut être propre. Et à l'extérieur aussi. Oui. D'accord. À l'intérieur, à l'extérieur, il faut être propre. Alors, les enfants, ce matin, avez-vous envie d'être des enfants propres à l'extérieur comme à l'intérieur? La Bible nous enseigne que seul Jésus peut laver notre cœur. Et comment il va le faire pour laver notre cœur? Nous l'avons vu durant la semaine avec les enfants qui étaient avec nous. Comment est-ce qu'on saura que Jésus va laver notre cœur? Par sa parole, par la lecture de sa parole, nous allons voir comment est-ce que Jésus lave notre cœur. On va lui dire en ce matin, Jésus, je veux être pur pour te suivre. On va se mettre debout et on va prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour l'eau qui nettoie mon corps. Par ta parole, lave mon cœur. Je t'aime, Jésus. Amen. Soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Que tu viennes nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence. Je vous invite à entonner ces paroles avec nous, que nous puissions méditer sur chaque parole. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies. Oh Seigneur,
avons soif de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton pas. Remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous avons avec plus de conviction. Un chant spécial du groupe Isop. Bonjour. En tant que chrétien, nous sommes toujours heureux en Jésus. Amen. Mais il arrive parfois que nous ayons des difficultés. Certaines personnes peuvent souffrir même parfois en Jésus.
Mais Dieu dit qu'il ne nous donne pas d'épreuves que nous ne pourrons supporter, même si parfois on ne peut pas comprendre. Ce matin, nous allons chanter un chant qui dit qu'on doit toujours avoir confiance dans les plans de Dieu. Dieu a des plans pour nous que nous, on ne connaît pas. Donc, même quand ça va mal, même quand ça va très mal pour certains, ayons confiance en Dieu. Si je ne peux te voir, ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance. Même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi, en toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur. Dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Dans ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole. Je te ferai confiance, toi la lumière qui éclaire mes idées noires. Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sentir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, je peux, je fais, je dois te
Je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner notre chantème « Un avenir meilleur ». Gloire à Dieu. C'est une joie, un privilège de se retrouver en ce Saint Sabbat, n'est-ce pas? Tout au long de la semaine, nous avons eu des moments forts, n'est-ce pas? Forts parce que quoi? Parce que l'Éternel nous a parlé. Amen. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à considérer un exemple avec moi, un exemple assez imagé. Et je parlerai de manière personnelle. Donc, tu es dans un voyage ou un trajet. Mais le long du voyage, il y a des pièges. Il y a des mines, il y a des explosifs cachés, il y a des trous. Toutes sortes d'écueils. Mais heureusement, il y a un guide. Il y a un GPS. Et pour tous ceux qui ont suivi notre moment de partage, vous savez qu'il s'agit de GPS. Un GPS comment? Un GPS infaillible, en mesure de te guider dans un chemin sûr. Et grâce à ce guide, tu arrives où? Tu arrives à destination. La vérité, mes bien-aimés, la vérité, chers amis, la vérité, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes tous dans un voyage. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous dans un voyage, nous sommes tous dans une traversée sur la terre. Mais au long du trajet, au long du chemin, il y a des pièges, il y a des subterfuges, il y a des tentations. Mais heureusement, il y a un GPS infaillible qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Un GPS qui nous présente Jésus-Christ, le plan du salut. La parole de Dieu est un guide fiable qui nous permet d'éviter les pièges de l'ennemi, le croyez-vous? Ce livre nous présente des témoignages et des expériences
poignant. Et en ce midi, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un personnage phare du Nouveau Testament, un personnage, un individu qui est passé de l'obscurité à la lumière. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, le livre sacré, dans le livre des Actes. Actes au chapitre 9. C'est bon, tout le monde a trouvé? Actes chapitre 9, versets 1 à 6. Et je lis. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il nous est dit au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Si vous le voulez bien, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Ô Dieu, Père éternel, que toute la gloire te revienne. À cet instant, Seigneur, où nous nous apprêtons à étudier le texte sacré, ta parole, nous réclamons, Seigneur, la lumière de ta parole. Nous réclamons l'action de ton Esprit Saint. Ô Seigneur, agis en ce midi. Touche des cœurs, Seigneur. Parle à travers moi et que la puissance du Saint-Esprit pénètre les cœurs de chacun et chacune. Ce sont là les grâces que je te demande dans le doux nom de Jésus. Amen. Et pour être plus clair et plus détaillé, j'aimerais vous dire que ce sermon est composé de trois parties. Et je vous donne déjà l'intitulé de la première partie qui est « Limité ». Par ses propres convictions et habitudes. Limité. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit historique contextuel de qui était Saul. Donc Saul, il était de descendance juive et il avait été instruit par les plus éminents des rabbins de l'époque. C'était un pharisien, zélé. Il était considéré par les rabbins comme un jeune d'avenir. Il nourrissait de grands espoirs pour sur ce défenseur passionné de la tradition. Et tout comme les autres pharisiens, Saul était baigné dans la tradition juive. Et donc motivé par son amour de la tradition, Saul était un fervent opposant aux disciples du Christ. Et nous relirons pour ce faire les deux premiers versets du chapitre 9 du livre des Actes. Il nous est dit, et je relis, « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » La question que chacun d'entre nous, nous devrions nous poser est la suivante. Est-ce que mes habitudes, est-ce que les propres
traditions qui sont miennes ne font pas de moi un ennemi de Dieu. Moment de réflexion. Force est de constater que pour être un ennemi de Dieu, pas besoin de le dire oralement. Ou pas besoin même de le penser, de me dire dans ma tête, je suis un ennemi de Dieu au fait. Il nous a dit que nous voyons dans le texte que Paul était convaincu de ce qu'il faisait était juste. Lorsque nous voyons son contexte, il pensait qu'il était dans le droit chemin. Et c'est pour ça que j'estime et que nous sommes nombreux à croire que le plus dur, ce n'est pas d'être dans l'erreur. Mais le plus dur, c'est d'être dans l'erreur sans le remarquer. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec moi ici? Le plus dur, ce n'est pas d'être ignorant, mais c'est de l'être en pensant que l'on maîtrise, en pensant que l'on sait tout. Le plus dur, ce n'est pas d'être dans l'obscurité, mais c'est de l'être tout en pensant que nous sommes dans la lumière. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons que Saul était exactement comme les terroristes qui tuent et qui pensent le faire au nom de Dieu. Il était comme ces meurtriers qui pensent agir au nom de l'Éternel, qui tuent des milliers de personnes chaque jour. Mais Jésus, Dieu dit à de telles personnes, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est pour ça que nous ne devrions pas faire l'erreur de penser que la religion, la parole de Dieu, ça entraîne les guerres, ça entraîne ceci. Car Dieu appelle persécution les gens qui agissent, persécuteurs les gens qui agissent de la sorte. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un ici est dans l'obscurité. Une obscurité qui se manifeste par de telles paroles. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans ça. Nous vivons dans un contexte, nous vivons dans une société qui nous amène souvent à prononcer ces paroles. Laissez-moi prendre un exemple qui est bien simple. Il y a quelques années de cela, la mode, c'était les baggies pour les hommes. Cool. Ou un jean, il y avait des jeans pour hommes, pour femmes. Et si un homme avait un jean serré, serré, on l'associait à quelque chose. Mais de nos jours, force est de constater que la mode pour les garçons même, c'est de porter des jeans plus serrés que ceux des femmes. Hein? Et si tu dis à un jeune de nos jours, mais pourquoi tu es habillé serré comme ça, machin? Ben, tu dis, il n'y a rien de mal dans ça, c'est la mode. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est parce que il s'agit là d'une obscurité. Ça veut dire que l'individu est tellement ancré dans la société, tellement ancré dans la mode, qu'il ne se rend pas compte que la distinction que Dieu a voulu montrer entre l'accoutrement d'un homme et d'une femme est annulée par la mode. Et là, ce n'est qu'un exemple simple. Il y avait moins des problèmes plus profonds que cela. Mais nous voyons que c'est déjà un travail dans la mentalité pour nous emmener dans un trouble du genre. Et d'ici quelques années, vous verrez qu'on dira aux hommes, oui, tu vas porter le pantalon, mais on va mettre une petite jupette par-dessus. Et que tout le monde vous dira, il n'y a rien de mal dans ça, c'est la mode. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer à quel point des fois on peut être aveuglé, on peut être pris dans une société, dans une mode, et on peut trouver des choses qui ne sont pas bien normales. Mais la réalité, c'est que Dieu a un plan spécial pour nous, et Dieu nous présente une lumière, et personne au monde ne désire plus notre bien que Dieu. Amen. Et lorsque nous lisons l'histoire, et lorsque nous allons justement au verset 3, il nous est dit, comme il était en chemin,
et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La réalité, mes amis, mes bien-aimés, c'est que le péché a plongé l'humanité dans des habitudes, dans des traditions, dans des penchants qui vont à l'encontre du plan de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, « Ma parole est une lampe à tes pieds, et une lumière où ? Et une lumière sur ton sentier, sur mon sentier. » Tout individu plongé dans l'obscurité a besoin de rencontrer la lumière. Et durant toute cette semaine, la parole de Dieu nous a éclairés, la parole de Dieu a parlé à nos cœurs. Mais la Bible nous présente un personnage. Bien qu'il se croyait dans la lumière, il était dans l'obscurité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a fait face à la lumière pour comprendre sa situation. Amen. Et nous voyons qu'en rencontrant cette lumière, il a pu prendre conscience que son obscurité n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Tout simplement parce que dans cette représentation lumineuse, il y avait celui dont il est dit dans Jean 1, versets 9 et 13 que nous allons lire. Versets 9 à 13. Où il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et cette personne dont il est fait mention dans les quelques paroles que nous venons de lire est la même dont il est parlé dans Jean 8, verset 12. Et c'est la même qui a prononcé, je dirais même, ces paroles en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. » Quelle lumière ? La lumière de la vie. Amen. Oh, la parole de Dieu a éclairé tant de personnes. La parole de Dieu a permis de ramener dans le droit chemin des prostituées. Il y a énormément de témoignages, beaucoup de personnes qui, en ayant reçu cette lumière, ont pris position pour Dieu. Et cette lumière en question, c'est qui ? C'est la gloire de qui resplendit à travers cette lumière ? Eh bien, c'est la gloire de Jésus-Christ. Amen. L'agneau du Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, j'espérais que j'aurais entendu des amen et des alléluia. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu est présenté comme une lampe à nos pieds et lumière sous notre sentier. Et cette parole présente Jésus-Christ et son plan pour vous, son plan pour moi. Cette parole révèle aussi le caractère de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu nous révèle son caractère et son projet pour nous, nous sommes comme éblouis. Perturbé, pourquoi ? Parce qu'il y a un contraste criant entre ce que Dieu attend de nous et qui nous sommes, n'est-ce pas ? Et Saul étant arrivé à un tel extrême dans le contraste qu'il y avait entre ses objectifs et ceux de Dieu, que Jésus lui dit, « Saul, pourquoi ? Pourquoi me persécutes-tu ? Et j'irais même jusqu'à dire que peut-être qu'aujourd'hui, Jésus pose la même question à certains d'entre nous. Pourquoi me persécutes-tu ? Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi le prédicateur dit ça ? Moi, je ne persécute personne autour de moi.
Moi, je n'empêche personne de suivre leur Jésus. On fait ce qu'on veut. Exactement. Mais quelqu'un ici, quelqu'un est peut-être présent ici, quelqu'un nous regarde peut-être à l'écran, et cette personne ne remarque pas que sous l'influence de l'ennemi, elle est en train de persécuter un chrétien en devenir, que Jésus désire retirer de l'obscurité sans s'apercevoir que l'individu en question, c'est elle-même. Et malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent passer leur vie dans l'obscurité, de peur de faire face à la lumière que Dieu nous révèle dans sa parole. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile de faire face à la lumière. Imaginez, vous avez passé du temps dans l'obscurité. Là, on est dans le concret. Vous étiez dans le noir. Et puis, on allume la lumière. Ça pique. C'est même gênant. Et est-ce que parce que c'est gênant, je me dirais, bon, puisque la lumière me gêne, je prends la décision aujourd'hui de passer ma vie dans l'obscurité. Parce que la lumière va piquer mes yeux et je ne veux pas de ça. Donc je reste dans l'obscurité. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse face à cette situation? Non? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il est vrai que les yeux ne s'ouvrent pas. On voit que les yeux s'ouvrent au fur et à mesure, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui encore, j'aimerais vous dire que la plus belle rencontre que l'être humain puisse faire dans sa vie, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Parce que personne ne peut vous aimer plus que lui. Personne ne peut vous comprendre plus que lui. Il a traversé l'atrocité, l'ignominie, l'agonie, pour qu'un jour vous n'ayez plus à souffrir. Pour qu'un jour, chacun d'entre nous, nous puissions vivre éternellement dans un bonheur qui dépasse toute imagination. Et je ne sais pas pour vous, mais pour rien au monde. Pour rien au monde, je ne veux rater cela. Et nous allons maintenant lire le texte, acte 9 toujours, au verset 5. Et il nous est dit, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsque la lumière qui nous dérange à première vue vient s'installer dans notre obscurité, mes amis, nous devons poser cette question comme l'apôtre Paul l'a posé. Nous devons avoir cette curiosité pour découvrir davantage à propos de cette lumière et de demander, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus nous révèle. Alors que nous sommes dans notre obscurité, Jésus nous révèle. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce qu'il le dit simplement dans le but de nous accuser? Est-ce qu'il le dit dans le but de nous rejeter? Hein? Il fait simplement un constat. Un constat de la situation qui se joue. Et il nous a dit quelque chose d'intéressant. Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Déjà, regimber, ça fait référence à la réticence. Être réticent, être récalcitrant. Et peut-être que l'aiguillon, ce n'est pas suffisamment clair pour chacun d'entre nous. Mais il faut comprendre que l'aiguillon est composé de bâtons, de longs bâtons, et qui a une pointe de fer au bout. Et les laboureurs à l'époque, ils utilisaient justement cet aiguillon pour piquer les animaux, piquer les brebis, piquer les bêtes pour les ramener dans le droit chemin, pour que les bêtes ne courent pas à leur perte. Méchanceté? Non, mais les bêtes courent à leur perte. Donc, ils ramènent les bêtes au bon endroit.
Et aujourd'hui, peut-être que des hommes et des femmes résistent à l'aiguillon du Seigneur, mais aujourd'hui encore, il appelle. Il désire t'orienter dans la bonne direction. Amen. Lorsque Dieu se révèle à nous par le moyen de son Fils Jésus-Christ, nous avons une réponse à donner. Nous avons une réponse à donner. Et lorsque Saul fut ébloui par le Seigneur et qu'il rencontra Jésus, il répondit à cette lumière qu'il avait ébloui et aveuglé en disant, en tremblant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il a montré sa disponibilité. Et chaque individu qui a été ébloui par la clarté de la parole de Dieu devrait répondre comme cet homme en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il s'agit là de la réponse parfaite à un Dieu qui nous conduit, un Dieu qui désire nous orienter dans le droit chemin, un Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais on est déjà là, on parle de la route de la conversion. La route de la conversion guidée par un GPS infaillible. Amen. La route qui nous conduit au salut. Et vous voyez, lorsqu'on se laisse conduire, lorsqu'on se laisse guider par la lumière, elle met en évidence notre cécité spirituelle, notre cécité morale. Et beaucoup de personnes sont passées par là, beaucoup de personnes ont pris la décision d'accepter le Christ. Et lorsqu'elles pensent au passé, elles se disent « Mais comment j'ai pas vu que telle situation me menait à ma perte ?» Elles ne comprennent pas comment elles ont pu être dans un aveuglement. Mais la vérité, c'est parce qu'elles n'avaient pas encore reçu la lumière. Et lorsqu'on a reçu la lumière, on est en mesure de voir plus clair. Amen. Mes amis, la meilleure décision qu'un homme, qu'un individu, qu'une femme puisse prendre dans sa vie, c'est de la remettre entre les mains de Jésus. Amen. Et nous lirons le verset 7 et 8. Il nous est dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc c'est suffisamment étrange, nous voyons que les hommes entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Il semblerait que seul Paul voyait cette lumière. Et nous voyons que les autres personnages même ne sont pas vraiment concernés. C'est parce que l'évangile est toujours une question individuelle. C'est une question individuelle que chacun d'entre nous devrait se poser. Et lorsque j'ai reçu la lumière, lorsque Dieu m'éclaire, je devrais demander, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et la lumière ne s'adresse pas. On ne dira pas à l'humanité, bien qu'elle s'adresse en réalité à l'humanité. Mais il faut que cela soit personnel, comprendre que cette lumière se révèle à moi. La personne que Jésus-Christ interpelle en s'intestant, ce n'est nul autre que moi. Et aujourd'hui, encore, Jésus-Christ interpelle des hommes et des femmes. Mais seront-ils réellement désireux et disposés à répondre à cette lumière? Et lorsque nous allons au verset 8, il nous est dit, « Paul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. » Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi fallait-il que Paul ait ses yeux ouverts sans rien voir? Pourquoi? Mais j'espérais que j'avais du monde ici avec moi ce midi.
c'est parce que, écoutez-moi bien, c'est parce qu'il était dans cette cécité, alors que ses yeux étaient ouverts. C'est parce que lorsque la lumière se présente à un individu, il y a cette image. Il y a cette image de l'obscurité alors que nos yeux sont ouverts. C'est parce que nous devons prendre conscience, lorsque nous recevons cette lumière, de notre état. Et il a pris conscience de l'état dans lequel il se trouvait pendant toutes ces années. Alors que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Alors que cet homme voyait des chrétiens, alors que cet homme a entendu parler des miracles de Jésus-Christ, alors qu'il a vu la mort d'Étienne et qu'il a vu un Étienne illuminé rendre l'âme, alors qu'il l'accusait, ses yeux étaient ouverts puisqu'il a vu Étienne. Mais il était aveugle. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et lorsque Jésus nous interpelle, lorsque la lumière se révèle à nous, avant même qu'on puisse voir clairement, elle nous montre quelque chose. Elle nous montre l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, bien que nos yeux soient ouverts. Et ensuite, l'expérience de Paul continue, de Saul continue. Nous voyons que Jésus a utilisé le prophète Ananias pour guider ce nouveau converti, ce nouveau qui a rencontré Jésus. De la même manière qu'aujourd'hui, il utilise encore des chrétiens. Il utilise encore des hommes et des femmes pour guider des personnes qui ont rencontré la lumière, pour aider des personnes qui ont rencontré la lumière, mais qui ne savent pas dire « Seigneur, je m'engage à te suivre ». Et cet homme Ananias que Dieu avait choisi pour guider Saul était dans un stade où il doutait même. Parce qu'il a connu le Saul d'avant. Il connaît Saul. Il sait que c'est un gars qui a persécuté les chrétiens comme lui-même. Missier. Seigneur, répète, je pense que tu t'es trompé. Missier. Puisqu'il s'agit d'un homme qui avait fait tant de mal dans sa vie, un homme qui était un obstacle même à la propagation de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, Dieu désire appeler des hommes et des femmes qui, par leur mode de vie, que par leur fonctionnement, ont été des obstacles, justement, à la bonne nouvelle. Mais il y a des personnes comme Ananias qui, dans votre entourage, sont en train de douter. Et même si vous avez reçu la lumière, ces personnes qui n'ont pas encore vu le changement en vous sont dans une étape où elles disent, monsieur, Manzel, mais non, on ne va pas s'engager. Ou, est-ce que le Seigneur l'a vraiment appelé cette personne? Un monde comme ça? Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ avait appelé cet homme. Et cela nous montre que qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, qu'il y ait un sauveur. Il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui désire nous ramener dans la bergerie. Amen. Et alors que Ananias était en plein doute, et alors qu'il ne comprenait pas les voies de Dieu et pourquoi Dieu avait choisi cet homme, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, cet homme est un instrument. Un instrument que j'ai choisi. Et aujourd'hui, peu importe ta vie, peu importe tes doutes, peu importe les circonstances, Jésus veut faire de toi un instrument. Un instrument pour sa gloire. Car tu es précieux. Car tu es précieuse. Car tu as de la valeur. En d'autres termes, Jésus disait, cet individu est en train de faire un demi-tour. Cet individu est en train de changer de chemin, car il est en train d'être guidé par le GPS infaillible. Amen. Cet individu, alors même qu'il était plongé dans le crime, alors même qu'il était en rébellion contre moi, j'avais déjà vu sa valeur. Alors même que tu es dans le péché, alors même que tu es dans le doute, Jésus-Christ te voit. Il voit déjà ta valeur.
Et il te présente une lumière, il te présente sa parole. Tu as entendu? Tu as vu les textes bibliques, tu as vu la vérité. Tu as eu des choses qui t'ont dérangé, tu as eu des choses qui t'ont encouragé. Mais tu as surtout eu des choses pour te construire, pour te former. Comment vas-tu répondre face à cela? Vous savez, en Christ, la vie de l'apôtre Paul a pris un tout autre sens, à tel point qu'il est arrivé à un tel moment dans son cheminement qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, il servit de témoignage partout autour de lui. Vous aussi, la vérité, c'est que vous aussi, vous pouvez expérimenter une conversion telle que celle de Saul devenu Paul. Ce Saul devenu Paul qui a dit aux Éphésiens, qui a réalisé la grâce et la faveur que Christ lui faisait et qui a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que je l'ai vécu. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. J'ai longtemps cru que je pouvais apporter quelque chose à Dieu, qu'il fallait que je sois comme ça, qu'il fallait que je fasse ceci. Mais la réalité, c'est que c'est Christ. C'est la lumière qui devait luire sur mon visage. C'est la lumière qui devait resplendir dans mon être. Et c'est pour ça qu'il a dit, cela ne vient pas de vous. Mais cela est un don. Un don de Dieu. C'est l'image d'un cadeau. C'est l'image d'un cadeau que Dieu vous apporte, quelque chose que vous ne méritez pas. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas votre anniversaire, mais Jésus-Christ arrive dans votre maison et il vous dit, voici. Mais Seigneur, pourquoi m'apportes-tu ce cadeau? Ce n'est pas mon anniversaire, il n'y a aucune occasion spéciale. Et le Seigneur te dit, il n'y a pas une occasion spéciale là. Mais en réalité, c'est toi qui es spécial. C'est toi qui es spécial. Et je te fais ce don, mais vas-tu l'accepter? Et il y a une chose merveilleuse que j'apprécie, que j'aime à lire dans l'expérience de Paul, de Saul devenu Paul. Et c'est au verset 18. Souvenez-vous que Paul est resté dans l'obscurité. Il a reçu la lumière, mais il y a eu ce moment d'obscurité. Il ne voyait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Mais lorsqu'il a retrouvé la vue, il nous est dit au même instant. Et nous lisons, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Et il se leva. Et il se leva. Et il se leva. Il fut baptisé. Il se leva. Et il fut baptisé. Lorsqu'un individu en âge de comprendre la lumière de la parole de Dieu accepte cette lumière, lorsqu'elle reconnaît avoir retrouvé la vue et pouvoir discerner dans sa vie que ça c'est bien, ça c'est pas bien, la parole de Dieu me guide et me dit telle chose. Lorsque ses yeux sont ouverts, lorsqu'elle a compris la loi de Dieu, les 10 commandements, lorsqu'elle a compris le sacrifice de Jésus, lorsqu'elle a compris les étapes qu'il y a dans le chemin du sanctuaire, la suite logique, alors que les yeux sont ouverts, alors qu'on a compris, la suite logique, c'est de faire comme Saul a fait. C'est-à-dire accepter la prochaine étape, accepter de démontrer dans les eaux du baptême notre engagement à cette lumière. Amen. Si Jésus-Christ, mes bien-aimés, j'aime à croire que si Jésus-Christ qui n'a point péché, s'est fait baptiser par immersion dans les eaux du Jourdain, nous pouvons comprendre à quel point cet événement est un pas important et indispensable dans la vie du chrétien.
Marc 16, verset 16 nous dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. On voit la dimension salutaire qu'il y a dans le fait de s'engager avec le Christ. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'engagement. Il a institué le mariage. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, lorsqu'un homme et une femme ont appris à se connaître, ont compris leurs valeurs, partagent les mêmes valeurs, elles sont en mesure de s'engager par un mariage. Et Dieu le demande. Car Dieu n'approuve pas le concubinage, la fornication. C'est un Dieu d'engagement. Et pour ce qui est du baptême, il désire faire la même chose avec des individus qui n'ont pas encore pris position pour lui. Il désire s'engager et dire à ces personnes, je suis fidèle à mon engagement, mais toi veux-tu? Mon engagement est de te sauver. Et la Bible nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il s'est engagé à sauver qui? Toi, l'humanité. Car Dieu a tant aimé. Car le plus grand être qui existe, il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Le plus grand des amours, il a tant aimé quoi? Le monde. Il te voit comme une précieuse créature, comme la plus précieuse créature. Qu'il a donné quoi? Le plus précieux don, le plus précieux qu'il a, Jésus-Christ. Afin que qui? Afin que quiconque ne périsse. Nous voyons qu'il y a tous les superlatifs. Et aujourd'hui, en 2019, Dieu appelle encore des hommes et des femmes. Le même Jésus qui a interpellé Saul, le même Jésus qui a illuminé Saul, aujourd'hui appelle des hommes et des femmes à accepter cette lumière. À travers la conversion de Paul, nous voyons que chaque saint a un passé. Mais surtout, nous voyons également que chaque pécheur a un avenir. L'apôtre Paul, un héros de la foi, il a eu son passé, il a eu ses erreurs. Ce saint que nous voyons dans les Écritures, il a eu ses erreurs. Il a eu son passé. Mais ce pécheur, celui qui était pécheur, il a eu un futur. Amen. Et j'aime à croire que chacun des individus ici présents, chacune des personnes qui nous regardent à l'écran, ont l'opportunité de recevoir cette lumière, ont l'opportunité de s'engager avec le Christ. Parce qu'il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de placer Christ au centre de notre vie. Car Jésus désire être le centre de notre vie. Le croyez-vous? Il désire faire demeure dans notre vie. Il désire habiter, pénétrer notre cœur. Et alors que le groupe Isop chante ses paroles, je vous invite à prêter attention. Aujourd'hui, Jésus-Christ parle au cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir la victoire. Mais j'invite cette personne à ne pas faire comme le roi Agrippa. C'est-à-dire s'agripper à sa vie. Et dire, tu m'as presque convaincu de faire de moi un chrétien. Parce que presque sauvé, ce n'est pas être sauvé. Qu'il n'y ait pas de presque dans votre cœur, qu'il n'y ait pas de presque dans votre vie. Ah, j'avais presque répondu à l'engagement. Ah, je sens que j'y suis presque. Quand, au nom de Jésus,
par le moyen du Saint-Esprit qui te parle en cet instant, tu as la possibilité de prendre position. Tu as la possibilité de faire de Jésus-Christ le centre de ta vie, le centre de ton cœur. Paul a choisi de mettre Jésus au centre de sa vie. Et
et il a fini sa terrestre carrière, son ministère, en prononçant les paroles. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Jésus-Christ désire de faire de toi un disciple. Et si aujourd'hui tu as peur, tu doutes, ton Sauveur te dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi, crois en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était, je vous l'aurais dit. Vous préparez une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il s'agit là de présent futuriste, c'est-à-dire il parle, il veut parler au futur, mais il parle au présent, parce que la réalité du salut, c'est aujourd'hui. Je reviendrai, nous dit Jésus. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Y a-t-il des personnes qui croient en ce Jésus? Y a-t-il des personnes qui croient en ce Jésus qui a transformé la vie de personnes qui étaient addictes au crack? Et ici, on a des témoignages de telles personnes. Des personnes qui ont passé plus de 20 ans dans le crack. Des personnes qui ont été bousillées. Le courage de se tenir debout et de dire: Seigneur, je te choisis aujourd'hui. Les personnes qui ont eu la victoire, parce qu'elles se sont engagées et qu'elles ont été fidèles à cet engagement. Elles ont continué dans le sanctuaire. Il y avait l'autel des sacrifices, elles ont cru. Il y a eu cette réponse, il y a eu cette cuve des reins avec de l'eau dedans. Ils ont dit: Seigneur. Et j'aime à vous dire que le pas qu'il y a entre l'autel des sacrifices et la cuve des reins, c'est énorme pour quelqu'un. Et par la puissance de cet esprit, nous pouvons prendre position et dire: Seigneur, je t'accepte, je me baptise. Et de la même manière que ces hommes ont dit à Jésus, on dit à l'apôtre Pierre: mais maintenant que nous avons entendu cet évangile et qu'il brûle en nous, qu'il brûle en nos cœurs, que devons-nous faire? Sa réponse était: repentez-vous et soyez baptisés. Si vous croyez en ce Jésus, si vous croyez au lion de la tribu de Judas, si vous croyez au Seigneur des Seigneurs, je vous invite à vous lever comme cela. Car aujourd'hui, Jésus-Christ est en train d'accorder la victoire à quelqu'un. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous fléchirons.
Pour choses acquises. Quand beaucoup de personnes ont pensé reporter à demain, sauf que demain n'est jamais arrivé. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Je veux bien prier avec vous. Mais s'il y a encore une personne ou des personnes qui a entendu la parole de Dieu, qui a entendu la vérité, mais qui n'a pas encore pris position, je demande à cette personne de ne pas céder à la peur. Et s'il y a quelqu'un assis à côté de toi qui t'empêche de passer, vous dites, excusez-moi, mon sauveur m'appelle, je dois avancer. Excusez-moi, j'ai un appel, j'ai une rencontre avec mon sauveur, le roi des rois m'appelle. Excusez-moi, car rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera d'accepter celui qui m'aime plus que n'importe qui. Je demande au pasteur de se rapprocher. Je demande à l'équipe de l'ancien âge de s'approcher également. Choisis pas l'obscurité sur la lumière. Choisis la lumière. Car l'obscurité t'emmènera à ta perte. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Vas-tu accepter cette lumière? Des vies ont été changées, transformées. Tout simplement parce que des personnes ont répondu à l'appel de Dieu. Vous savez, la mer Rouge ne se serait jamais ouverte devant les enfants d'Israël s'ils n'avaient pas eu ce premier pas, ce pas de la foi. Et quelqu'un ici, au nom de Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, doit répondre à cet appel, doit prendre cette décision. Y a-t-il une dernière personne? Y a-t-il une personne? Seigneur, je ne suis pas le meilleur. Je reconnais mes défauts. Et j'aimerais m'engager avec toi. Ou j'aimerais étudier ta parole davantage. Ou j'aimerais faire ce pas pour qu'on prie pour moi. Au milieu de ce combat, au milieu de ce conflit interne, la possibilité de donner d'avancer. Plus que des hommes présents là, avec les yeux de la foi, j'aimerais que tu vois ton sauveur. Pas le prédicateur, mais ton sauveur. Ton sauveur qui t'appelle. Car aujourd'hui encore, sa main n'est pas trop courte pour t'arracher des griffes de l'ennemi. Il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont accepté le Christ. Et au long du chemin, il y a eu des embûches, il y a eu beaucoup de marches arrière, il y a eu beaucoup de rétrogradations.
ces personnes reconnaissent qu'elles ont besoin de Jésus-Christ, qu'elles ont besoin d'être délivrées des pièges de l'ennemi. Que ces personnes avancent. Il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la course chrétienne, mais l'ennemi les accable par les épreuves dans la famille, dans le couple, entre parents-enfants, entre parents-parents. Il y a des personnes qui souffrent, qui sont atteintes par des maladies physiques. Il y a des personnes qui souffrent de dépression. Il y a des personnes qui... qui sont au bord du découragement spirituel. Des personnes qui réclament en cet instant la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez venir à l'autel. Alléluia. Gloire à Dieu pour cet homme qui, en dépit de sa douleur physique, se dit: j'avance. J'avance au pied du maître. Personnes qui veulent avancer, qui désirent qu'on prie ensemble, qui ont des besoins, problèmes de santé, problèmes de famille ou tout autre. Ou des projets qui ont besoin d'être guidés par Dieu. Je demande aux personnes qui ont répondu à l'appel de rester après le sermon pour s'entretenir avec le pasteur, le premier enseignant, même le corps enseignant de l'ancienat. Aujourd'hui est un jour de victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je ressens la victoire. Et s'il y a des personnes qui ont été emportées par la timidité, désire voir le pasteur, soit pour prier ou pour s'engager ou pour étudier davantage, vous pouvez le faire après notre moment de partage. Et je vous invite à incliner la tête. Nous prierons avec notre pasteur. Bénis le Seigneur parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Merci pour son serviteur. Car notre seul objectif, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que le royaume des ténèbres soit vidé. Au nom de Jésus. Et nous allons donner toute notre énergie pour qu'il n'y ait aucune personne qui fasse partie de ceux et celles qui devront brûler avec l'ennemi. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, il a mouillé la chemise pour le Seigneur. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui mouillent la chemise au nom de Jésus. Et je veux encore ajouter un mot. Ceux et celles qui ont pris cette décision, je sais qu'il y a notre bien-aimé, rapproche-toi, je vais prier de manière particulière aussi pour vous. Y a-t-il encore quelqu'un qui s'ajoute à notre bien-aimé sœur qui veut se positionner pour Jésus en vue du baptême? Gloire à Dieu. Y a-t-il encore une personne qui a eu du mal à se lever? Approchez-vous, je vais prier spécialement pour vous là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Oh, nous voulons vider le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu aura la dernière victoire. Il aura le dernier mot. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour elle, là, comme ça, et qui s'est positionné pour Jésus? Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un encore là qui aimerait là, venir là, se positionner pour Jésus?
son serviteur a prêché. Il a mouillé la chemise. Car son désir, c'est que le royaume des ténèbres soit vidé. Au nom de Jésus. Nous ne voulons que personne ne soit brûlé avec Satan. Satan a eu son temps. Mais aujourd'hui, nous avons encore notre temps. Y a-t-il encore quelqu'un qui a eu du mal à se lever? Là, là, avec ce petit groupe, je prierai pour elle. Y a-t-il quelqu'un là qui veut venir là? Quelqu'un veut venir là, là? Je prierai pour elle. Une personne. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? Amen. Amen. Gloire à Dieu, mon cher. Amen. Alléluia. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Oh, y a-t-il encore quelqu'un qui veut se positionner pour Jésus? Je prierai pour elle là. Amen. Dieu a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un qui n'a pas encore pris sa décision et qui veut se réunir au petit groupe là pour que je prie pour elle, pour qu'elle affermisse sa position au nom de Jésus? Amen. Il y a quelqu'un qui s'approche, je la vois s'approcher. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Rapproche-toi, ma très chère, rapproche-toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons vider le royaume des ténèbres. Nous ne voulons que personne ne soit brûlé avec Satan et ses anges. Ils ont eu leur temps, mais nous avons encore le temps aujourd'hui, au nom de Jésus. En tout cas, encore quelqu'un pour Jésus. Encore quelqu'un qui a eu du mal. Amen, amen. Amen, ma très chère. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un là qui a eu du mal à se lever et dire, Jésus, voici ma vie, ton serviteur a prêché, mais je sais qu'il n'est jamais trop tard, je peux m'approcher. Qu'elle vienne pour Jésus. Le royaume de Dieu, il y a de la place dans le royaume de Dieu. Il y a un petit groupe là qui s'est positionné pour Jésus. Encore quelqu'un qui s'est positionné pour Jésus. Allez, encore 30 secondes. Y a-t-il encore quelqu'un qui lutte? Notre prédicateur l'a dit, c'est une lutte. Vous croyez que c'est évident? Tous ceux qui sont là savent que c'est une lutte. C'est un combat intérieur. Mais avec Jésus et son esprit, nous aurons la victoire. C'est toujours le premier pas qui est difficile. Il reste encore quelques secondes. Et je ferai la dernière prière. Prière pour vous. Mon pasteur Bellefoy de venir, de prier pour les autres. Mon cher collègue. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Pasteur Bellefoy priera pour tous ceux et celles qui se sont levés, qui ont des projets, des soucis de santé. Voici un homme qui a mouillé la chemise pour le Seigneur aussi. Il n'est jamais à la retraite, c'est déjà ça. Quelques secondes, quelqu'un qui veut se rajouter au petit groupe là, qui s'est positionné pour Jésus, il revient bientôt. Encore une personne qui a du mal? Ok. Amen. Approche-toi, ma bien-aimée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, très bien. Je vais prier. Ensuite, le pasteur Bellefoy priera pour tous ceux et celles qui se sont avancés. Sûr que vous repartirez avec une bénédiction, une grâce de Dieu. Et pour vous, je prierai d'une manière très spéciale pour que le Seigneur scelle cet engagement avec lui et vous donne de continuer à marcher sur le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Amen. Ô notre Père, notre Dieu, je veux te présenter tous ceux et celles qui se sont levés. Ce n'est pas toujours facile. Ô Seigneur, je sais que tu n'as pas eu peur de quitter le ciel par Jésus. Et tu as dit dans ton cœur, et tu l'as écrit par ta parole qui nous a été adressée encore aujourd'hui par tes serviteurs, que tu aimes chacun d'entre eux et que ton désir, c'est qu'ils soient avec toi dans l'éternité. Ô Seigneur, tu as un plan pour eux. Tu as une destinée éternelle. Une vie de joie, de paix, de bonheur, afin qu'ils puissent jouir de toutes les grâces que tu as déjà pourvues pour eux au nom de Jésus. Alors Seigneur, en cet instant, puisses-tu sceller leur décision et que le royaume des ténèbres et que Satan qui se moquait d'eux
n'aient plus l'occasion de le faire. Car au nom de Jésus, aujourd'hui, ils ont remporté une grande victoire. Celle de marcher avec le Sauveur, le GPS, le guide, celui qui sait guider tous ceux et celles qui leur confient leur vie sur le chemin de l'éternité. Et je sais, Seigneur, grâce à toi, toi, Seigneur, ta parole, tu sauras les conduire. Qu'aujourd'hui, qu'ils reçoivent ton esprit d'une manière particulière et qu'ils ressentent dans leur vie cette puissance qui leur donna de marcher sur les serpents, sur tous ceux et celles qui en voudront à leur vie et à leur destinée. Merci Seigneur de les bénir abondamment, qu'ils retrouvent et qu'ils ressentent cette grâce de l'Éden, d'une proximité, d'une rencontre qui changera encore leur vie, une rencontre qui durera jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Seigneur, il y a eu Paul un jour, mais il y a nous aujourd'hui. Nous avons tous du bruit à tes yeux. Pour nous tous, Jésus a quitté le ciel. Et tu nous appelles aujourd'hui à te dire oui. Oui pour ce si grand sacrifice. Oui pour ce si grand salut. Certains disent qu'il n'est pas possible de vivre pour toi ici-bas. Mais ta puissance est une puissance énorme. Et tu peux, Seigneur, prendre le plus faible d'entre nous, le prendre par la main, le conduire sur le chemin de l'éternité. Nous sommes plusieurs à crier vers toi ce midi. Plusieurs qui nous sentent indignes de toi, qui nous sentons indignes de toi. Mais nous savons, Éternel, que tu nous acceptes dans notre faiblesse et que tu veux faire de nous des instruments pour ta cause et pour ta gloire. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Prends nos vies en considération. Nos problèmes, nous te les déposons. Nous savons que tu as solution à toutes nos difficultés. Donne-nous, Seigneur, de montrer au monde qu'en choisissant Jésus, nous avons fait le bon choix. Un choix que chacun doit faire s'il est sage et intelligent. Que toute tête s'incline devant ta majesté auguste et bénie. Et qu'ensemble, Seigneur, alors que l'ennemi nous attend, mais qu'ensemble nous donnions la main à Jésus, afin de pouvoir triompher de lui, de tous ses pièges, de toutes les difficultés qu'il met sur notre route, notre GPS est certain. Nous allons vers le ciel. Et le ciel est une certitude. Bénis ceux qui doutent de ta puissance en ce midi, bénis-les. Et fais dans leur vie une démonstration pour que, comme Paul, ils disent un jour, j'ai combattu avec Jésus et avec Jésus j'ai gagné. Bénis ton peuple et tes enfants. N'oublie aucun d'entre nous que notre présence ici n'ait pas été vaine, mais qu'elle soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et alors que nous quitterons ce lieu, Seigneur, envoie-nous avec ta paix, ta grâce, tes bénédictions abondantes et que jamais personne ne regrette d'avoir pris engagement avec toi. Garde-nous en ta paix, nos familles, nos enfants, tout ce que nous sommes et qui nous appartient, nous te prions, Seigneur, en te disant déjà merci, parce que tu répondras à toutes nos attentes, à tous nos besoins, par Jésus et pour ta gloire. Tu voulais dire un petit mot, ma très chère? Avant la fin de l'année, je suis tombée malade. Et je croyais que je ne pouvais plus venir ici. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je ne suis pas venue ici. Alors, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça? Il faut que je vienne, même aujourd'hui quand même. Il faut me laisser aller quand même. Et puis, je me suis sentie bien tout de suite. Je me suis sentie bien. Et puis, je me suis préparée pour venir. Et je m'en venue. Je remercie le Seigneur de tout. Amen, amen, amen. Merci pour ton témoignage. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen.
Je serai, comme l'a dit le prédicateur, devant, juste sur votre, dans le banc du centre, après le service, pour ceux et celles rencontrer le prédicateur, les anciens, ou moi-même. Nous serons devant pour vous rencontrer, ceux et celles qui ont pris leur décision et qui vont être accompagnés pour la gloire de notre Père. Chaque coup, sa cicatrice, chaque son, son écho. Aujourd'hui, aujourd'hui, quels souvenirs serons-nous, laisserons-nous chez vous? Quelle trace restera-t-il? Quelle trace restera-t-il de nos chansons? Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Quelle trace restera-t-il quand viendra le rideau? Au-delà de nos musiques, au-delà de nos voix, ce que nous. Nous vous invitons à vous tenir debout.
Alors pendant que nous prendrons le chantem, les Jack Press passeront dans les rangs pour vous permettre de sortir dans les rangs, dans l'ordre. Bonjour à tous. Bon sabbat, nos amis internautes, et bon retour à la maison. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Puissance dans le nom de Jésus.
Amen. Amen.